Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Je vois qu'on est nombreux déjà, ça fait plaisir. Salut Lildor, salut Stikiz et salut Arnaud. Je vois que les habitués sont au rendez-vous, c'est super cool. Merci à vous d'être là à chaque fois. Salut Boris. Je sais que l'exploration de la Mangatech, ça plaît. C'est attendu. On va avoir des super trucs ce soir. Vous êtes vraiment nombreux, hein. Vous êtes déjà plus d'une vingtaine là, vous êtes 22 connectés. C'est vraiment super, hein. Je suis hyper content, il y a plein de monde au rendez-vous à chaque fois. Hop là, je m'installe. Aujourd'hui, j'ai mis le t-shirt Chaîne Soumen. On va mettre un peu de couleur dans ce live. Salut J-Primus, salut Ligmili, salut Nico. Nico Robin, plus précisément. Salut Victor. Et oui, effectivement, oui. J'ai pas souvenir d'avoir vu ton nom pendant les lives, mais bienvenue à toi. Salut Manon, ah, mais je vois qu'il y a plein de monde. Ah, il y en a qui utilisent Twitch aussi. Et Zeno. Eh bien écoute, ça va Zeno. Merci de demander. Un peu fatigué, j'avoue. J'étais pas mal occupé ces derniers temps. Pas sur la chaîne, sur des trucs plus personnels. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment sur la chaîne. Ça reviendra. Je garde les lives quand même pour avoir du contenu. Ça reviendra. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis pas mal occupé de mon côté. J'espère que ça se calmera bientôt. Salut Corentin, bienvenue à toi. Donc ah, c'est vraiment super. Je suis très très content. On va attendre encore 2-3 petites minutes, histoire que tout le monde arrive. Et puis après, on va revoir où on en était la dernière fois. Et on va continuer. Salut Amanda. Je crois qu'Amanda, tu es nouvelle. Je ne crois pas t'avoir déjà vue sous mes lives. Bienvenue à toi. Pour l'instant, ça va. Vous êtes encore dans une taille où j'arrive à vous reconnaître. Salut pain d'épices. Merci. Mais c'est le t-shirt que j'avais acheté du coup à Angoulême. Hop là, avec les boyaux. Ah, il est très cool celui-là, je l'aime bien. Hein. Et je ne l'ai jamais encore porté, c'est la première fois. Je l'inaugure. Je me suis changé juste avant le live, hein, pour vous dire. Salut Matt. Ah oui, donc c'est bien ça, Amanda. C'est bien une première. Eh bien écoute, bienvenue à toi. Et ce soir, on explore la Mangatech, donc des ouvrages de ma collection. Et ce soir, c'est des trucs un peu moins communs, vous allez voir. Donc ça devrait être très très cool. Bon, allez, je propose qu'on commence tranquillement. Salut Authentique. À ton premier message. Ah oui, effectivement, j'ai pas reçu ton premier message, Authentique. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci d'être là. C'est très cool de passer ce soir. Donc, Authentique, un autre YouTuber que vous pouvez aller découvrir. N'hésitez pas à découvrir. Allez, alors, on y va. Je partage mon écran. Hop là. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté où? Je me rappelle à peu près, mais je ne me rappelle plus quel bouquin exactement. On va aller voir ça ensemble. Non, c'est... Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on s'était arrêté... Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu ça, on avait vu les Hirata de mémoire, les Yuko, mais on n'avait pas vu toute cette partie à droite là. Est-ce que c'est bien ça? Mais on avait vu les yokai normalement. On avait fini par parler Umez. Oui, c'est Inception de Capsule Manga là. Ouais, c'est ça. Donc on avait du Umez et puis après j'ai fait du blabla. Donc on va pouvoir continuer par ça. Alors je vais reprendre parce que je vais reprendre ma vidéo Mangatech, puisque vous savez qu'elle est un petit peu changée. J'ai bougé quelques livres pour ça. Alors attends, Mangatech, c'est une ancienne, c'est celle-ci. 8 mois déjà, la Mangatech. La Mangatech numéro 5, elle est là. Voilà. Donc on va prendre cette vidéo-là. Parfait. Donc du coup, je commence, ça on l'avait vu. Kamudan aussi. On l'avait vu. Donc je m'étais vraiment arrêté ici. Et donc ça, je les ai déplacés. Ils ne sont plus dans cette bibliothèque-là. Maintenant, ils sont dans la première. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand on arrivera à la première, automatiquement, je les appellerai parce que je sais qu'on en aura déjà parlé. Ou ça sera le plaisir d'en reparler à nouveau. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais aller chercher du Golgo 13. Dites-moi dans le chat qui a lu Golgo 13, qui les possède. Donc salut Swat, bienvenue à toi.
sont lourds, hein, je vous le dis, hein. Ils sont énormes. Hop là. Je vais prendre le prochain aussi. Comme ça, je n'aurai pas à me déplacer. Arnaud, tu as tout, toi. Ça compte pas si tu réponds à Arnaud, tu as toutes les réponses. Arnaud, il a 35 000 BD chez lui et 10 000 mangas à peu près. Il a trois maisons remplies de livres. Ville pré-pratiquée. Oui, non, Golgo 13 aujourd'hui est compliqué à trouver. Donc c'est plus dispo depuis longtemps, effectivement, Victor. Donc merci Authentique. C'est gentil. Donc du coup, alors, il faut savoir que Golgo 13, déjà, premièrement, vous pouvez les acheter en numérique. Ça vaut genre 12 balles. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous n'êtes pas obligé de dépenser tous vos sous, surtout si vous voulez découvrir la série. Donc déjà, achetez une version numérique. Et en plus, ils les vendent par chapitre. C'est-à-dire que je vais vous montrer, j'en profite, puisque... Alors, je vais ouvrir livre. Voilà. Hop là. Si je tape, je partage mon écran. Si je tape Golgo 13, regardez. Alors c'est un peu petit, désolé, je ne peux pas zoomer plus. Mais vous avez des chapitres à 99 centimes et vous avez les deux livres à 12 balles. Donc pour les découvrir, il ne faut pas hésiter à passer par ça, quoi. En tout cas, j'ai les deux bouquins. Alors il faut savoir que Golgo 13, hein, puisque le but, c'est aussi que je vous raconte un petit peu l'histoire autour des livres et pas seulement vous parler que des livres. Donc ça, Golgo 13, c'est une série que j'avais trouvée d'occasion. Je sais pas moi, peut-être 6 balles ou 10 balles pièce, c'est pas cher. Bon après, ils sont pas chers de base, hein, ils sont à 20 euros. Hein, c'est-à-dire que normalement, enfin, quand ils étaient neufs et disponibles, à 20 euros, c'était pas cher parce que c'est quand même des bouquins de 1300 pages et de 1200 pages. Donc à 20 balles pour ça, c'est pas cher. Aujourd'hui, vous n'en avez plus des mangas comme ça. Salut un viewer, bienvenue à toi. Hop. Donc, alors, d'accord, Glénat aimerait les... Enfin, réfléchissent à les réimprimer et ça serait vraiment bien, quoi. Donc, ça serait cool. En tout cas, Golgo 13, moi, je les avais trouvés d'occasion et c'est comme ça que je me le suis procuré. Un coup de chance, hein, sur Montpellier, dans une boutique, avec peut-être, je sais pas, moi... Hop là, ouh là, ouh, j'ai bien zoomé mon truc. Ouais. C'est pas grave. Au pire, je soulèverai un peu ma caméra tout à l'heure. Et là, donc, il est un peu plus épais le noir. Donc du coup, là, il y a les deux bouquins. Et effectivement, c'est des cale-portes. Hein. Je vous les mets sur les côtés. Bam! Je vous mets un... Hop là. Attends, il faut que ça tienne. Je vous mets un Apozym à côté. Voilà. J'espère que vous voyez bien Apozym. Je vais le mettre entre les deux. Ça fait... Voilà. Et il fait un peu ridicule hein, au milieu. On est d'accord. Hein. Donc ça reste deux énormes bouquins. Et donc voilà, j'étais très content de les avoir trouvés d'occasion. J'avais testé comme ça. Et merci Boris de faire référence à mes poissons d'argent. Bon, regarde, j'en tremble, ça y est. Non, ça, ils aiment pas trop les poissons d'argent. C'est pas leur livre préféré. Alors, ils font bien la même taille, enfin la même hauteur. Hein. C'est juste ma caméra qui est un petit peu décalée en diagonale. Donc j'avais dû les payer peut-être 20 balles les deux à tout péter. Donc j'étais très content d'avoir trouvé ça. Et il y a trois livres en tout. C'est-à-dire que il y a le best-of de l'auteur, le best-of des lecteurs et le best-of des célébrités, je crois. Donc je crois que c'est ça. Franchement, l'édition, alors elle est un peu lourde, mais moi j'aime bien ce format, hein, ces gros formats. Alors, hop. Alors Golgo 13, vous savez que c'est une série. Hein, enfin, c'est une série qui a le record mondial aujourd'hui. Elle a dépassé les 200 volumes. Et derrière, ça continue toujours. Même si l'auteur est décédé aujourd'hui, ça continue toujours. Et clairement, Golgo 13, c'est une série, ça déchire. Franchement, ça déchire. Et je sais pas pour la survendre, mais j'étais impressionné par la qualité des scénarios. Parce que à l'intérieur, c'est une œuvre qui a su évoluer avec son temps. Et c'est une œuvre... Quand je l'ai lu, j'ai fait, putain, mais c'est juste génial parce que Duke Togo, qui est le personnage principal, ce n'est pas, il n'est pas mis en avant tout le temps. C'est-à-dire que des fois, c'est juste une ombre, il apparaît quasiment pas. Et c'est toute une intrigue politique, une intrigue de conflit, de plein de sous-sous, vous voulez, qui se met en place à chaque fois.
Et les histoires, en réalité, c'est qu'elles sont écrites par des vrais scénaristes, c'est-à-dire des scénaristes de films, des scénaristes de séries télé, de romans, de tout ce que vous voulez. Donc en fait, les scénarios, ils sont hyper qualitatifs et Saito, ben, les met en scène. Et c'est pour ça que, Saito ou son studio, hein, c'est pour ça que, ben, du coup, on a des histoires qui sont juste géniales. Alors il faut savoir authentique que les covers, ce sont les covers officielles, hein, japonaises, hein. Et donc du coup il manque donc voilà donc en gros que vous c'est des histoires courtes à chaque fois hein. Donc c'est-à-dire que c'est des histoires indépendantes sauf que là comme c'est un best-of partant on a des histoires qui sont un peu centrées sur le background de Duke Togo donc on a un petit peu plus de un petit peu plus de d'histoire sur son personnage et franchement Golgo 13 c'est vraiment vraiment bien c'est excellent et Golgo 13 si vous vous en rappelez si vous voulez lire du Golgo 13 gratos vous pouvez aller voir ma vidéo sur le cri qui tue, dans l'exploration du cri qui tue, puisqu'il y a des vidéos, il y a des histoires de Golgo 13, et vous pouvez les lire, puisque j'ai filmé en 4K, et en 4K, bah, du coup, vous pouvez lire entièrement les bulles et tout. Donc, allez voir ma vidéo du cri qui tue, dans l'exploration. Et effectivement, c'est bien plus qualitatif que Lupin, ça n'a juste rien à voir. Lupin, ça reste du divertissement. J'avais déjà fait mes retours sur Lupin, hein. C'est très sympathique à lire, même si ça a mal vieilli. Je trouve que Golgo 13, ça n'a pas mal vieilli, au contraire, ça reste toujours d'actualité, même si bien sûr les histoires sont ancrées dans leur époque. Quand c'était l'époque de la guerre froide, c'était ça. En gros, ça surfe beaucoup sur l'actualité. Par contre, c'est très verbeux. Hein. Golgo 13, ça parle beaucoup. Et franchement, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc ça, je peux que vous recommander de lire Golgo 13. À ma découverte, en tout cas, je me suis régalé à lire ça. Et vous lisez une histoire à chaque fois, il n'y a pas besoin de lire plus quoi. Et le noir qui est encore plus épais. Bam! Donc voilà. Donc c'est pareil. Le dessin change aussi. Alors là, on ne le voit pas trop parce que ça reste des histoires qui sont assez proches. Mais il y a des histoires des fois un peu plus anciennes. Et on voit que c'est pas les mêmes. Que c'est pas les mêmes. Comment dire? La même époque. Donc voilà. Donc, je vous montre un peu les images. Hein. Donc effectivement, maintenant, c'est des pièces un peu rares à trouver en physique. Mais c'est pour ça que moi, je vous dis, allez voir ben, déjà ma vidéo, vous pourrez avoir une petite histoire. En plus, une histoire inédite. Et le deuxième, c'est... parce qu'il y a plusieurs histoires dans le cri qui tue. Et sinon, tentez le numérique, surtout qu'il y a des chapitres. Vous pouvez acheter quelques chapitres comme ça pour tester. Salut Mathilde, bienvenue à toi. Hop là, je remonte un peu vos messages parce que des fois, ils arrivent en décalé. Non, c'est bon. Salut TLDS. Non, la reliure n'est pas fragile. Donc la reliure, en fait, c'est du carton classique. Comme ça. Et en fait, quand tu poses le livre à plat et que tu l'ouvres, ça tient bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a ça. Donc tu vois, ça, c'est très propre, en fait. Et ça ne s'abîme pas. Et tu peux le poser à plat comme ça. Ça tient. Voilà. Après, par contre, quand tu es sur les bords, et même pas, ça tient plutôt bien. Hop là. Non, franchement, l'édition, elle est bien, en fait. Hein. Donc voilà. Alors non, j'ai pas essayé les chapitres, puisqu'ils ne sont pas en français ou en anglais, ou du moins, j'ai pas cherché, en tout cas, en anglais. Donc, je ne saurais pas te dire. J'ai vu la collection au Japon. Alors, 200 volumes, alors, il y avait peut-être 190 volumes à l'époque, un truc comme ça. Ça prend de la place, hein, dans les librairies. Hein. Et le dernier, donc comme je disais, c'est les célébrités. Et les célébrités, ben, Glénat avait dit qu'il ne le sortirait pas parce qu'en fait, c'était trop compliqué au niveau des droits. Il fallait demander les droits à toutes les célébrités. Enfin bref, un truc un peu chiant. Et ils n'avaient pas envie de s'embêter pour un livre qui n'a pas eu de vente à l'époque, en fait. Voilà. Et de temps en temps, alors j'essaie de le trouver. Dans les livres aussi, il y a... je vois pas, mais des fois, il y a des personnes, en fait, les interviews de certaines personnes qui expliquent... ça, c'est les lecteurs. Je pense que c'est dans le choix de l'auteur, peut-être. Je regarde. Non, j'arrive pas à trouver, mais des fois, il y a certaines personnes qui interagissent, qui expliquent ce que c'est Golgo 13 pour eux, entre deux histoires. Voilà, là, j'arrive pas à en trouver, mais c'est pas grave. Ah non, je mens, ouais, c'est 12 euros, je l'ai payé. Voilà, j'ai retrouvé le prix. J'avais dit 10 balles. Bon, non, lui, il n'est pas indiqué. Donc voilà, donc Golgo 13, après, j'ai pas plus à dire dessus, hein. Très très bonne série. Franchement, son succès est mérité. Ça fait deux gros pavés tout beau.
Ne passez pas à côté parce que juste vous voulez la version physique et que du coup vous avez comment dire vous voulez pas tenter le numérique, c'est vraiment dommage parce que vous passez à côté de quelque chose. Après, si vraiment vous voulez la version physique, vous pourrez vous dire je lâche mes 50 balles, sachant que je rappelle que c'est quand même 1200 et 1300 pages. Alors le choix des lecteurs, je ne sais pas, c'est le choix des lecteurs au Japon, hein. C'est pas un choix des lecteurs, c'est pas un choix des lecteurs français, hein. Hop, tu vois, tout est traduit, enfin c'est traduit du BitComics. Je regarde un petit peu. Non, non, c'est vraiment le choix des lecteurs japonais. Et si je regarde Golgo 13, dans Golgo 13, hop là, je vais repasser pardon, ici. Golgo 13 Best of. Je crois que si on regarde dans les images, on tombe sur le dernier. Voilà, celui-ci. Bon, l'image est toute petite. On peut pas zoomer plus si je vais zoomer comme ça. Et on voit que c'est le voilà, c'est le Best of Celebrities Selection. Donc voilà. Merci Maïva d'être passé. Il n'y a pas de souci. Ouais, ben là les effectivement. Comme dit Jprimus, les bibliothèques, là, elles sont mises à mal. Hein. Je pense que ça va être lié à un vote. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu les Golgo 13. Alors, parce qu'à la fin, par exemple, il y a ça. Et ça n'a pas été traduit. Hop là, pardon. Pardon, pardon. Je vais y arriver, j'ai trop de fenêtres et d'options activées. Voilà, si tu veux traduire ça à la fin du truc, ils sont pas embêtés, ils l'ont pas traduit. Et là, j'ai l'impression qu'il y a les votes de popularité là. Voilà, je pense à répondre à ta question, mais il faudrait que quelqu'un traduise ça. Glénat, c'est pas embêté. Mais ils ont laissé les pages, étonnamment. Alors, le manga suivant. Donc, si vous avez des questions sur Golgo 13, n'hésitez pas. Puisque après j'ai pas plus à dire de mon côté dessus. En tout cas, voilà, à part dire c'est un excellent manga et le fait que les histoires se renouvellent en permanence, pardon, excusez-moi, hop là, que les histoires se renouvellent en permanence parce que justement il y a l'intelligence d'avoir des scénarios qui sont super travaillés derrière, de trucs d'espionnage, de thriller, de tout ce qu'on veut, et d'avoir un personnage qui est super mystérieux. Franchement, c'est une super formule et je comprends que ça cartonne et que ça continue. Et moi, honnêtement, il y aurait, j'achèterais pas en physique, mais il y aurait une traduction française des volumes ou des nouvelles compilations, j'achète sans problème. Ça, voilà. Si c'est des anthologies, j'achèterais sûrement en physique, mais si c'est si c'est l'intégrale un jour, ah oui, moi, en numérique, j'achète sans problème. Avec mes petits sous. Alors. Je propose de continuer parce qu'on va pas passer la soirée sur ça. Tu as de tout, Victor. Tu as de tout, hein. Vraiment, en termes d'ambiance, ça varie énormément selon le scénariste qui a écrit l'histoire. Oui, largement, Matt. Les anthologies suffisent à elles-mêmes, puisque comme c'est des histoires indépendantes et que tu as des données sur le personnage principal, tu n'as pas besoin. Excusez-moi pour le bruit, hein. Tu n'as pas besoin d'avoir plus, c'est-à-dire que ça suffit. Là, si demain il en sort, c'est du bonus. Et souvent, dans les grandes séries comme ça, il n'y a pas un besoin d'avoir l'intégrale. C'est pareil pour Astro. Il y a 23 volumes, l'édition Kana suffit à découvrir Astro. Il n'y a pas un besoin de ça. Voilà. Alors, le manga suivant, c'est un manga qui aujourd'hui, je sais pas si on peut le trouver encore. C'est Mes voisins les Yamada. Faut pas s'embrouiller avec Duke. Mais il est cool, le personnage est très très cool. Franchement, moi je kiffe Golgo 13 et c'est un excellent, excellent manga, quoi. Alors. Ah, pardon, désolé, je vais souvent le faire, ça. Alors, ici. Ah, vous voyez l'envers du décor de ma petite table. C'est pas la bonne caméra. Ce soir, je suis pas très réveillé, hein, je vous le dis. Je vais faire plein d'erreurs de manip. Donc, il n'y a pas de fil rouge en soi, à part le mystère de Duc Dogo Corentin.
Et c'est pas des enquêtes comme Détective Conan, c'est vraiment des histoires policières, des intrigues politiques, des enjeux mondiaux, c'est des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ça, Golgo 13. Et le scénario varie tout le temps et les intrigues varient tout le temps. Des fois, ça va être sur, je sais pas, des trucs de diamants, des fois, ça va être juste un assassinat, des fois, ça va être deux pays qui se font la guerre, des choses comme ça. Donc vraiment, il faut que tu tentes, quoi. Allez, Yamada. Alors, Yamada, donc Arnaud, il vieillit très mal ces éditions, effectivement. C'est du blanc. Et en fait, c'est du blanc pas plastifié, ça. C'est cartonné, pas plastifié. Et ça prend toutes les marques, les coups, etc. C'est une très mauvaise idée de l'avoir fait dans cette matière-là. Et donc, mes voisins de Yamada, pareil, j'avais trouvé ça. J'avais tenté, je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc, c'est un Yonkoma. Hop là. Vous voyez, donc Yonkoma, donc les formats 4 cases. Alors, c'est sorti en film d'animation. Je n'ai jamais vu le film d'animation. Honte à moi, parce que ça fait des années que j'ai envie de le voir et je ne sais pas pourquoi, je l'ai jamais lancé. Mais le film d'animation m'a donné envie, en fait, de découvrir l'existence, hein, du film d'animation m'a donné envie de découvrir le manga. Et donc, le manga, je l'ai lu, d'accord? En fait, à la base, c'est un manga qui a été adapté en film d'animation. Donc voilà, c'est pour ça. Et en fait, ben, c'est vraiment du quotidien japonais. Alors, c'est du quotidien japonais en plus des années 80-90. Donc, il y a des trucs un petit peu vieillis hein, dans ce manga. C'est très sympa à lire, mais il faut vraiment le voir comme un format quotidien dans un journal. C'est-à-dire que si vous commencez à le lire comme j'avais fait à l'époque, ben, vous lisez plusieurs pages d'affilée. Alors, ça, c'est la lecture toilette. Hein. Ça, vous mettez ça dans les toilettes. Quand vous y allez, vous lisez quelques strips et puis vous passez à autre chose. Et bien, typiquement, si vous commencez à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner, ben, c'est pas terrible. Vous allez vite vous ennuyer parce que c'est pas hyper drôle. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Arnaud. Je trouve ça sympathique, mais ça m'a pas non plus fait rire à fond, quoi. Donc, faut que je les relise aujourd'hui. Il y a plein de blagues qui étaient peut-être un peu datées, qui n'étaient pas expliquées, etc. Mais ça reste quand même une lecture qui est sympathique. Avoir sorti l'intégrale, je me dis que c'était pas utile. Ils auraient pu faire une sélection d'histoires, sortir un volume comme ça, là, qui fait 400 pages, je crois, ou 300, ou à 330 pages, à 350 pages même. Ils auraient pu sortir une anthologie, un volume, ça aurait suffi. Il n'y avait pas besoin de sortir les trois. Donc voilà. Voilà, donc du coup, Joy Polo, en fait, à la base, c'est un manga. Et Simon, oui, alors ça fait penser à Shin-chan parce que c'est du strip, donc du Yonkoma comique. Et souvent, c'est un trait qui est très épuré, qui est très simple, qui est, comment dire, qui est là pour aller à l'essentiel. Hein, donc, intéressez-vous au Yonkoma parce que les Yonkoma, en fait, ça respecte comment ça s'appelle? Ça respecte un ordre, en fait, entre l'introduction, le développement, l'élément déclencheur et la conclusion. Voilà, ça c'est assez intéressant du coup de décortiquer le Yonkoma. Et il faut savoir que le Yonkoma, comment dire, c'est très dur à réaliser en réalité. C'est très très dur à réaliser. Ouais, donc Arnaud, tu confirmes aussi effectivement. Donc ne pas lire d'un coup, c'est indigeste. Et je pense que j'en ai trop lu d'affilée. C'est pour ça que j'ai pas apprécié à sa juste valeur le manga. Parce qu'il y en a des trucs qui sont drôles hein, dedans. Hein. Et puis c'est cool de voir comment dire, les habitudes de famille japonaise de l'époque, les petites économies, c'est ce qu'on retrouve dans Sazae-san. Sazae-san, je vous en avais parlé et montré déjà dans un ancien live. Je vous remonte vite fait. Il est où mon Sazae-san? Ils sont là. Est-ce que ça vous rappelle un truc, ce manga? Ah. Donc voilà, c'est un manga qui est très ancien. Et ben, c'est un peu pareil en fait. Mes voisins Yamada, c'est une version moderne de Sazae-san. En tout cas, clairement, c'est sûr que Sazae-san est le et a inspiré. Donc voilà, donc à tenter un volume, je pense que ça peut être cool. Maintenant, à avoir absolument. Voilà, moi je dis pas qu'il faut absolument avoir mes voisins Yamada dans sa collection, mais je boude pas mon plaisir en lisant ça. Par contre, c'est clairement une lecture qu'il faut lire
aux toilettes tranquillement. Et c'est intéressant pour le côté Japon de ces années-là. Ça fait vraiment photographie du Japon de ces années-là. Et ceux qui sont amoureux du Japon, ben, vous allez retrouver une certaine nostalgie, entre guillemets, puisque vous n'avez pas vécu là-bas, mais une nostalgie de cette époque. Donc c'est pour ça que mes voisins les Yamada sont intéressants pour ça. Et il faut absolument que je vois le film. En tout cas, c'est vraiment la petite famille classique, traditionnelle japonaise, tout à fait banale en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur une famille particulière ou spéciale, c'est vraiment des gens, c'est monsieur et madame tout le monde au Japon. Donc c'est bien, ouais. Donc Emanon confirme aussi d'espacer les lectures entre ça. Hop là. Mon t-shirt a trop de couleurs, c'est pour ça, Ed. Bienvenue à toi d'ailleurs. Alors, du coup, la suite. Alors là, il y a quoi? C'est Matsuo, Dogen et notre. Ok, parfait. Alors la suite, et après on va finir cette rangée. On a Matsuo. Salut Lady. Mais tu es bienvenue, tu le sais. Tu arrives quand tu veux. Alors je lis un petit peu vos messages. Ok. Alors effectivement, authentique comme tu dis, c'est qu'il y a des mangas très culturels et donc ça ne nous touche pas. Mais ça reste intéressant quand même à découvrir. Je pense qu'on lit Yamada, il ne faut pas le lire dans l'intention de vouloir absolument rire, mais plutôt de retrouver un humour japonais d'il y a quelques années et d'essayer de rentrer dedans. Je pense que c'est vraiment le manga que tu apprécies quand tu as compris les personnages. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le lire et pas enchaîner parce que c'est l'overdose après. Alors on change de registre. Parce que vous savez que ma mangathèque est rangée un peu comme j'ai envie. Il y a ma vidéo hein, sur le comment je range mes mangas. Hein. J'explique parfaitement toutes mes règles de gestion de rangement. Hein. Et donc là, c'est une petite partie. J'ai rassemblé mes œuvres, les œuvres qui parlent un petit peu de je sais pas moi, de moines, de choses comme ça en fait. Alors ça c'est Matsuo Basho, qui est le maître des haïkus. Donc qui connaît ce livre? Qui l'a lu? Ça c'est un livre, il est pas connu, hein, clairement. Donc c'est l'éditeur Ozonni, hein, donc c'est le seul que j'ai de chez eux. Alors il est pas mal parce que c'est une hardcover, et là c'est tressé, enfin ils ont collé un truc un peu tressé. Elle est assez jolie l'édition je trouve. Hein. Matsuo Basho. Alors en fait, c'est tiré bien sûr d'un personnage qui a réellement existé, qui était le maître des Eikyū. Eikyū, ce sont les poèmes japonais. Des poèmes japonais qui respectent une certaine tradition et une certaine logique. Voilà. Donc des Eikyū, à chaque fois de mémoire. Hein. Ça doit parler d'une saison, ça doit parler. Il y a des temporalités comme ça à inscrire dans les yaku tout en respectant une façon d'écrire, un nombre de caractères, etc. Et ça reprend en fait l'histoire de cette personne qui a révolutionné, je crois, de mémoire, le IQ. Et c'est très intéressant à lire, c'est très instructif. Merci d'être passé. Et alors, c'est pas tout en couleur. Après, ça passe en noir et blanc. Alors, le dessin est propre, hein. Ça reste un dessin un peu random, mais c'est très propre. C'est pas hyper long, ça fait, je crois, 160 pages, un truc comme ça. Et c'est plutôt quelque chose qui va vous apprendre en fait de manière pédagogique en fait et facile d'accès un pan de la culture japonaise et notamment sur ces histoires de haïku. Ça vous donne un petit peu les règles, les personnages de l'époque étaient importants, qu'on fait différents parce qu'il n'y a pas un style, qu'on fait différents styles et qui ont un petit peu défendu leur style à eux. Donc moi j'ai un bon souvenir de ce livre et du coup je me suis bien régalé à le lire. Alors c'est pareil, quand on parle de livre comme ça qui parle d'une personne, c'est instructif, c'est le genre de livre qu'on a envie plutôt qu'on prête, on le lit et puis ensuite on passe à autre chose. C'est pas un livre où on a, comment dire, il faut absolument le collectionner.
Mais c'est un livre qui est intéressant à lire. C'est pour ça que je le garde. Moi, je l'aime bien ce livre. Et en plus, à la fin, voilà, ça revient sur l'origine des IQ. ça revient sur IQ, oui, IQ, pardon. IQ, désolé, je le dis mal. C'est bon. Mon japonais n'est pas bon, on est d'accord, hein, des IQ. Et ça revient sur l'origine justement de cette poésie. Donc voilà, vous vous moquez tous, vous êtes tous vilains en fait. C'est ce que je vois. AIQ, ouais. Ouais, mais j'ai du mal à le dire en fait, c'est moi. Ku. Eiku. Eiku, voilà, c'est ça, c'est Eiku. Ah, bon, on laisse tomber, c'est de la poésie japonaise, ok? Vous vous moquez de moi, je le vois là, vous êtes vilain. Non, je sais plus comment on le dit en fait. Mais je pense qu'en plus le manga Eiku m'a perdu dans ma prononciation, c'est pour ça, clairement, vous avez raison en plus. Même si je ne l'ai jamais lu ni vu. Hein. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il y en a que ça intéresse dans le chat, hormis ma prononciation japonaise catastrophique, parce que j'ai vraiment zéro, zéro base en japonais. Je ne suis fan de manga, mais je ne me suis jamais intéressé au japonais. Donc je ne passe pas plus de temps dessus, ça ne sert à rien. Ça va vraiment s'adresser à un public comment dire, un public qui s'intéresse à ce genre d'informations, d'apprendre des choses. Sur la culture japonaise sans se taper des pages chiantes de Wikipédia quoi. Donc une bonne façon de découvrir cette personne, Matsuo Basho. Pour les IQ. Là on enchaîne, c'est Dogen Maître Zen. Ça j'en ai parlé, j'avais fait un... Ah ben c'est cool, tu l'as lu toi Amanda. Donc c'est ça, voilà. Alors ça a l'air super chill, oui, c'est exactement ça. Donc, clairement pas me save, mais sympa à lire quand même, c'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si on le trouve toujours, ça, je vais t'inviter à vérifier sur la Fnac, Amazon ou ton libraire. J'en ai aucune idée. Je l'ai acheté il y a un moment, donc à toi de voir. Là, c'est Dogen, donc Dogen, Maître Zen. Pareil, j'aime bien découvrir des personnages comme ça, avec ça. Alors, honnêtement, ce livre, il m'a pas emballé. Ce manga m'a pas emballé du tout. Ça présente donc, ça retrace toute l'histoire de Dogen quand il est enfant, quand on lui explique comment dire, la religion, comment ça fonctionne, etc. Et lui, il n'est pas d'accord avec ça et il va vouloir faire autre chose. Et donc c'est pareil, hein, c'est un personnage très connu de l'histoire que je ne connaissais pas. Donc tu lis Dogen. Ça se lit très facilement, ça c'est pas un souci. À la base, c'était, je crois, deux bouquins et ça a été rassemblé à un bouquin pour la France. Alors, par contre, le lettrage est dégueulasse. Cette police d'écriture est affreuse. Mais en plus, c'est mal lettré souvent. Il y a des textes qui dépassent et tout. On sent que ça fait un peu. Voilà, le kill ici. Ça fait un peu travail amateur hein, en termes de lettrage. Vous voyez, pas terrible quoi. Et honnêtement, je le trouve très décevant ce manga parce que. Au lieu de des fois de parler un petit peu de l'impact que ça a, de parler vraiment des difficultés, ben, en gros le manga se résume à prier, prie, prie, prie et prie. Vas-y, ben, prie plus fort et ça marchera. Et si tu sais pas, prie encore. Donc voilà. Et si ça n'a toujours pas marché, prie. L'important c'est prier. Et en fait, je me dis, enfin, c'est pas fou quoi. Et à la fin, puisqu'on a du début de ben, toute sa vie entière, jusqu'à qu'il meure de mémoire. Voilà, jusqu'à qu'il s'éteigne, et il y a même pas le après en mode bon, ben, ok, mais qu'est-ce que tu as laissé dans le sens où, bien sûr, on voit ce que tu as laissé là, ce que tu as construit, mais est-ce que ton précepte a vraiment perduré avec le temps? Est-ce que ça s'est essoufflé? Est-ce qu'il y a eu des enfants de cette religion directe et ça a perduré? Ben, tout ça a été totalement zappé, donc je suis resté un peu sur ma faim, en plus d'avoir l'impression de toujours relire la même chose. À travers ces différents voyages où je comprends pas, bon je vais prier, je comprends pas, je vais prier. Donc Dogen, c'est pas un livre que je vous recommanderais particulièrement. Donc voilà. Donc oui, il va créer une école. On explique tout ça, hein, mais je reste un peu sur ma faim quand Pardon. Je parle beaucoup, je parle un peu fort pour que
vous entendiez comme il faut sur le micro. Alors, je ne vous raconte pas là, il fait chaud avec mes projecteurs. Je transpire. Je vais finir le live torse nu, quoi. Le manga suivant, c'est Haikyuu en 4 volumes. Alors ça, c'est un vieux manga. Hein. Je pense qu'il n'y a que les plus vieux qui connaissent ça. Voilà, qui a pu lire ou voir Haikyuu? Il faut savoir qu'il y a deux éditions d'un Haikyuu. Hein. Une très grande chez comment s'appelle Vent d'Ouest et une plus petite chez Glénat. Enfin, plus petite qui fait déjà un format moyen. Hein. Je voulais voir s'il y avait l'année de publication. 96. 96. Salut Yukimura. Bienvenue à toi. Alors, pareil, Haikyuu, c'est l'histoire d'un moine. Alors, j'ai lu il y a très très longtemps, donc mon résumé va être dégueulasse. Mais c'est l'histoire d'un moine. Un moine qui, lui, par contre, ne respecte pas vraiment la doctrine du bouddhisme et compagnie. Lui, il est toujours saoul, il court un peu les femmes de mémoire. Il n'a pas de. Comment dire? Il respecte pas les préceptes et il a sa propre vision. Haikyuu. Haikyuu, très bien. Et il a pas la même vision que les autres. Et justement, à un moment, il y a un jeune qui va arriver dans son temple et il va voir les toiles d'araignée, tout ça. Il va tout nettoyer proprement et il va lui faire comprendre que, ben non, en fait, genre, il a comment dire, genre, il a tué de la vie, les araignées, les machins, c'est des êtres vivants, il faut les respecter. Donc, en fait, il va apporter une vision différente. Et donc, de ce que je me souviens, ben, c'est une très bonne lecture. C'est très sympa de lire ce manga, puisque on va. Alors, oui, l'édition, elle est vieille, hein. Elle a vécu. Puisque ça va nous faire. On va suivre toute sa vie à ce moine et ensuite aussi le suivre quand il est vieux, hein. Et de toute façon, je le prononce à peu près, hein. Vous avez le titre, je vous laisserai chacun faire votre prononciation. IQ, moi je l'appelle comme ça. Donc voilà, donc c'est franchement c'est un très bon titre de souvenir. Donc Bibi qui dit que c'est assez sympa. Mais voilà, mais c'est pas son genre de prédilection. Et je trouve que le moine, il est hyper touchant. Je trouve que ben, ce qu'il raconte, c'est super intéressant. Ça devrait normalement, je crois, revenir en France. Ah, celui-là, bien meilleur état. Ça devrait revenir en France. J'ai pas plus d'infos, mais j'avais cru à un moment entendre des rumeurs comme quoi c'est censé revenir chez Glénat ou un truc comme ça. Donc en tout cas, j'espère que ça reviendra. Ça vaut le coup de le lire, moi je trouve. J'ai un très bon souvenir et je l'ai gardé depuis des années. Donc voilà pour ma petite sélection de titres avec des moines. Ouais, on le voit un peu délirer des fois. Et on le voit galérer justement avec ses préceptes auxquels il n'adhère pas. Donc c'est intéressant de découvrir pour ça. Je peux pas vous dire plus parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Comme je vous ai dit, hein, j'explore ma mangathèque, mais il y a des choses que j'ai achetées il y a 20 ans et que j'ai pas relu depuis 20 ans. Donc voilà, c'est la dure loi des séries. On peut pas tout relire. Hop là. Si vous voulez voir plus d'images ou des choses comme ça, vous me le dites et je vous le montre un peu plus longtemps. Donc là, si je regarde bien, on a terminé cette super étagère. On est d'accord. La vie de Bouddha se classe dans ma bibliothèque Tezuka. Tout derrière là-bas, la orange, c'est que du Tezuka derrière. Et ça, on l'explorera après. Donc ouais, c'est ça, Arnaud, hein. Moi, j'avais entendu des rumeurs comme quoi ça allait être imprimé, hein. Mais j'ai pas plus de détails, j'ai pas plus de preuves, j'ai rien de plus. Donc voilà. Après, voilà. Je veux dire, après, voilà, je suis pas trop dans les petits papiers. C'est plus toutes les fois que j'entends. Ouais, ils ont bien jauni, hein, mais de toute façon. Toutes les éditions, même maintenant, dans 20 ans, seront toutes jaunes, seront toutes pourries. C'est comme ça, hein, c'est la vie d'un livre. Hein. Eh bien, je propose qu'on passe à l'étage au-dessus. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ah, là, on a du bon truc, là. Allez, on va commencer avec ça.
Alors, juste pour finir avec les autres mangas, Haikyuu, je l'avais vraiment acheté à l'époque. Hein. J'avais trouvé ça d'occasion. Parce que vous savez, hein, j'avais beaucoup acheté d'occasion à l'époque. Et donc, du coup, j'étais tombé dessus et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai gardé. Par contre, Matsuo Basho et Dogen, c'est vraiment la curiosité. Quand j'ai vu que ça sortait, j'ai acheté sans savoir vraiment ce que c'était. Et donc, du coup, voilà, j'ai tenté un peu comme ça. Par contre, le manga suivant. Là, on peut utiliser le mot masterclass, hein, direct. Direct, direct, direct. Voilà. Oui, Louis, mais il y a le replay si tu veux les voir pour les errata. Ne t'inquiète pas. Tu peux trouver la première vidéo. Doro et Doro. Alors, il faut savoir que Doro et Doro, c'est sorti à la base chez Vegetal Manga. Ok? Vous voyez le petit logo dégueulasse là? C'est Vegetal Manga qui était, je sais pas, une sorte de branche de soleil, mais une branche un peu indépendante, j'ai pas compris. Par contre, les couvertures des deux premiers, elles sont incroyables parce que il y a un effet, je sais pas, ouais, on le voit là, un effet crocodile dessus. Et au toucher, il y a un effet crocodile. Donc ça, c'est juste génial, quoi. Ça donne un côté énorme. Et il faut savoir que Doro et Doro, ben à l'époque, je ne l'avais pas acheté parce que c'est sorti chez Soleil. Et Soleil, ben, c'était un peu l'éditeur de shoujo un peu mièvre, un peu naze. Et donc, du coup, je n'ai pas tenté ça, sachant qu'il ne s'était pas donné, c'était quand même à 12 balles. Et en plus, les deux premiers sont imprimés avec le cul, hein, on ne va pas se le cacher. L'impression est dégueulasse, je vais vous montrer ça juste après. Hein. Et donc, du coup, quand je l'ai lu, enfin quand je l'ai, j'ai passé à côté parce qu'il y avait d'autres séries, il y avait Tetsaoro, un truc comme ça, Tetsuoro, je sais plus comment il s'appelait, qui était dans le même format et ça j'avais pas spécialement aimé et du coup je suis passé à côté de Doro et Doro. Et un moment, en discutant avec des gens sur internet tout ça, il me fait, mais tu connais pas Doro et Doro, il faut vraiment que tu lis cette série mec, c'est juste génial. Puis moi j'étais pas chaud, puis quand on me fait des recommandations et que on n'a pas encore sondé tous les goûts et tout ça. Je reste méfiant parce que des fois on va te conseiller des trucs, mais tu sais pas trop si tu vas vraiment kiffer ou pas. Ce que j'ai fait, j'avais trouvé les 8 premiers volumes en scan. Scan un peu dégueu. Mais j'avais trouvé les 8 premiers volumes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis sur ma tablette à l'époque et j'ai commencé à les lire. Au deuxième livre, j'ai arrêté. J'ai fait, je les veux tous. Je veux tous les Doro et Doro. C'est juste fantastique cette série. Si vous ne connaissez pas cette série, il faut que vous la lire absolument. Donc j'ai arrêté de lire les scans et j'ai fait je veux la série parce que l'univers il est incroyable. Et donc les deux premiers volumes sont en peau de reptile là, hein, je sais pas comment dedans, d'accord? Qui sont très mal imprimés. Et ensuite, après, on a les éditions de Soleil. Et il faut savoir que si vous avez le petit chapeau rouge en haut, c'est la réédition. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à l'intérieur les pages couleur. Vous avez des pages en noir et blanc. Parce qu'il faut savoir que la série a été pendant très longtemps. Je vous montrerai l'intérieur là, juste après. Hein. La série a été pendant très longtemps. Enfin pas en arrêt mais en rupture et pourquoi? Parce que ben, ça se vendait très mal et Soleil ne réimprimait pas. C'est déjà une chance qu'ils aient pas arrêté, c'est miraculeux. Ils ne réimprimaient pas. Et quand ils ont voulu réimprimer, c'est à peu près ce moment-là où je suis arrivé. Ils ont pleuré comme pas possible. Ils ont imprimé 300 exemplaires. Ils ont trouvé un truc en Chine, je sais pas où. Ils ont pleuré parce qu'au bout d'un mois, c'est pas parti. Ils ont fait aucune com dessus à part sur Facebook. Et c'était un peu nul. Et finalement, ben, au fur et à mesure du temps, la série a su avoir ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, ben, je ne vais pas dire qu'elle cartonne, mais qu'en tout cas, entre l'adaptation Netflix et tout, ça lui a donné une bonne visibilité. Donc voilà. Et il faut savoir que quand ils ont réimprimé, ils avaient dit que. Alors, déjà, pour les deux premiers volumes, ils avaient dit qu'ils avaient la flemme de choper des meilleurs masters. Donc on se retrouve avec des pages floues. Mais floues, hein. Et c'est pas le style de l'autrice, hein. C'est
L'impression, c'est la qualité des fichiers originaux. Alors qu'à partir du volume 3, bon, ça c'est le 7, mais c'est pareil, on a des traits qui sont bien détaillés. Donc sachez-le. Je ne me rappelais pas que les pages couleurs avaient été dans la seconde réimpression. Après, c'est possible. Mais en tout cas, si vous avez le petit chapeau rouge, c'est mort. Il n'y a plus les pages couleurs. Alors, il n'y en a pas beaucoup des pages couleurs, hein, mais bon, c'est un peu dommage de ne pas les avoir mises. Et je pense qu'ils ne les ont pas mises parce que les pages couleurs, elles sont au milieu du livre et ça coûte assez cher de faire ça, apparemment. Et donc, de quoi ça parle, Doro et Doro? Alors, Doro et Doro, c'est une histoire, c'est assez compliqué à résumer facilement, mais en gros, c'est Caïman, qui est lui, qui est donc un homme à tête de reptile, en fait, hein, qui cherche un sorcier qui l'a fait changer comme ça, en fait. Et donc, du coup, il gobe les gars, et à l'intérieur de lui, il y a quelqu'un et qui lui dit c'est lui ou c'est pas lui, en fait. Et il cherche comme ça ce fameux sorcier qui l'a transformé. Et il va y avoir tout un univers où on va découvrir qu'il y a des mages, qu'il y a des gens classiques, c'est deux univers qui sont distincts. Et comme ça, on se dit, mais enfin, voilà, le truc est un peu basique. Mais en fait, pas du tout, parce que le talent de l'autrice pour réussir à, comment dire, à déployer son univers au fur et à mesure par découverte, elle a l'intelligence, en fait, de donner petit bout par petit bout, en fait, comment dire, pour donner envie, en fait, de découvrir son univers. Et quand on découvre le monde des mages, pareil, c'est un truc qui est totalement différent. Et vous avez vu, ils ont tout un style très streetwear, baggy, des choses comme ça. Et c'est ça qui est cool, en fait. On est dans un univers très, je sais pas si on peut dire très punk, cyberpunk, je sais pas trop. Ça fait penser un peu à ça, en tout cas. Même si c'est très référencé dans plein de choses. Alors, vous voyez le dessin là, c'est le début. Moi, je les trouve très jolis, mais ça peut paraître un petit peu plus. Qui manque encore un peu de détails, parce que rapidement, elle monte en qualité. Et c'est du style qui est hyper chargé. Ça peut faire très brouillon, mais c'est dans ce brouillon-là se ressort une. Comment dire? En fait, une clarté dans le dessin et une beauté qui est juste incroyable. Il y a des planches qui sont juste magnifiques. C'est très gore, par contre, je vous le dis. C'est très très gore, mais l'histoire, elle est juste incroyable. À chaque fois qu'on finit un volume, on a envie d'aller plus loin. Et surtout, dedans, il y a un humour noir, il y a un absurde en permanence. J'ai rigolé dans ce manga. Autant ça peut être dur, l'univers est vachement violent, et des fois, les personnages qui leur arrivent, c'est pas cool. Mais il y a un humour noir qui casse tout ça. Parce que par-dessus, il y a d'autres êtres. Derrière et qui s'en battent les couilles de tout, ultra puissants, c'est génial à découvrir, en fait. C'est vraiment génial à découvrir. Donc, ça, c'est le genre de série. Moi, j'ai dit, hein, j'ai passé le volume 2, j'ai commencé le volume 3, je dis ça, je les veux tous, je les veux tous, et j'ai pas regretté mon achat. J'ai attendu longtemps avant d'avoir la fin, par contre, mais c'est juste génial. C'est pareil, il y a beaucoup de personnages qui meurent, mais la mort, elle vaut rien là-dedans, la mort, en fait. Les personnages. C'est ça, en fait. Ils n'ont pas peur de mourir parce qu'en fait, personne ne meurt vraiment. Comment ça s'appelle? Alors, les personnages sont méga badass. Et les pouvoirs, c'est n'importe quoi. Genre, à un moment, il y a un mec, son pouvoir, c'est faire des champignons. Mais il est ultra puissant avec ce pouvoir. Et des pouvoirs qui paraissent débiles, elle arrive, elle te fait des personnages qui sont incroyables. Je vous laisse lire tous les messages que les gens commentent qui ont lu. Voilà, avec le diantre, parce que le diantre est mémorable dans ce manga. Donc, avec. Comment il s'appelle déjà, celui qui dit diantre? C'est Wilson, je sais pas, j'ai perdu le nom. Si tu te rappelles, dis-le-moi. Soit. Et donc, voilà, donc Doro et Doro. Là, je peux le dire, c'est une masterclass internationale. Et j'utilise pas ces mots à la légère. Donc, si je les utilise. Ah, Johnson. Johnson. C'est bien ça. Et c'est juste génial. Et à chaque fois, ça rajoute des personnages chelous, mais qui ont toute une logique dans cet univers. La série, elle fait 23 volumes. Alors, au début, les volumes sont assez fins. On a l'impression un peu de se faire avoir, mais en fait, plus ça va dans la série, et plus ils sont épais. Et ce qui veut dire que en réalité, c'est un peu comme si vous avez 23 volumes de 200 pages.
En gros, donc il ne faut pas chercher les nombres de pages. Salut à toi, Mathieu. Je lis un peu vos commentaires. Donc oui, effectivement, donc Bourri, j'ai l'édition reptilienne, donc la toute première. En fait, j'ai vraiment la première édition, là, du coup. Donc il y a même des dialogues laissés en japonais dans le début, je ne me rappelais plus, mais ouais, c'est fort possible. Ouais, mais l'édition n'était pas fou à l'époque de Végétal, hein, tout à fait. Soit l'édition de. Pardon, l'arc de la boxe n'est pas dans l'animé d'ailleurs. Donc voilà. Et après, bon, je vous laisserai lire un petit peu les délires qu'il y a dans ce manga, quoi. Donc voilà. En tout cas, franchement, ne passez pas à côté de Doro et Doro. C'est vraiment. Moi, ça fait partie dans mes top 10 directs des séries. Quand je les fais lire à mes amis, direct, ils l'ont acheté pour ceux qui ne l'avaient pas déjà acheté, en fait. Donc c'est la série, quand on rentre dedans, on commence, c'est juste incroyable. Et je regarde un peu les images pour essayer de me remémorer. Et à chaque fois, voilà, y a un décalage qui est là tout le temps. Donc vraiment, lancez-vous dans Doro et Doro. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Et c'est tout disponible en numérique. Et c'est même, si je ne me trompe pas, en bien bien meilleure qualité que l'impression de soleil. Hein, donc ceux qui aiment le numérique, régalez-vous. Et au niveau de l'animé, si vous regardez l'animé sur Netflix, ça reprend, je crois, les 6 premiers volumes. Et l'animé est très bien. Franchement, moi j'adore l'animé. Par contre, c'est pas la même ambiance. C'est-à-dire que. Et c'est une version qui a été revue par l'autrice, hein, donc l'animé. Hein, donc c'est totalement assumé. Mais là-dedans, c'est très noir, c'est très crasseux. C'est sale en fait. On le voit dans les planches. Attends, je vous remets la caméra, ce sera mieux. Hop là, on le voit dans les planches. C'est très sale dans l'ensemble. Le dessin en plus rajoute ce côté poisseux. Tout est. Comment dire? Il n'y a rien qui est safe en fait dans cette série. Et l'animé. Ils sont partis dans un truc beaucoup plus coloré, beaucoup plus délirant. Et il y a des couleurs de partout, ça pète et tout. Moi j'adore parce que c'est une vision différente du manga. Mais la version originale qui est vraiment très noire, elle est extraordinaire. Voilà, vous voyez la décoloration de mes livres. Putain, là. Alors. Donc voilà pour Doro et Doro. Et ça, c'est une série où, du coup, je peux vraiment dire que l'avoir lu en scan, c'est grâce à ça que je l'ai acheté. Donc voilà, donc si je ne l'avais pas lu en scan, je ne l'aurais peut-être pas acheté. Et grâce à ça, c'est ça. Donc voilà. Les mangas suivants, qu'est-ce qu'on a? On a du Ino. Hideshi Ino. Et là, on va rentrer dans un petit truc horreur fantastique ou enfin partie horrifique. J'espère que vous êtes prêts. Hop. De partie horrifique. Ils sont tous là. Qui connaît Hideshi Inoue? Qui est sorti chez il y a ben, tout est sorti chez Imo. Salut Jocelyn, bienvenue à toi. Qui a déjà lu du Imo? Serpent rouge, l'enfant insecte, panorama de l'enfer. Faut savoir que j'ai aussi la première édition de Serpent rouge. Celle-ci. Voilà, on voit les deux là. Par contre, elle est un peu plus grande, mais elle est beaucoup plus fine. Alors, Ino, j'ai connu parce que je collectionnais les IMHO. Sinon, je ne connaissais pas du tout les IMHO. Enfin, les Ino, pardon.
Donc j'ai commencé à acheter un peu tout, mais sans regarder. Hein. Imo, j'ai acheté, il a édité, j'achète. Voilà, directement. Et donc à force, ben, je suis tombé sur du Inno. Et en termes d'horreur, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, alors le style, effectivement, est très particulier. Je vais vous montrer de suite. On est sur un style qui fait un peu grossier. Vous voyez, les personnages sont, je sais pas, un peu cartoon, tout ça, mais il arrive à mettre une ambiance qui est toujours très malaisante, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec cet auteur, c'est que avec ses personnages, alors là, il coupe la tête d'un poulet, il laisse saigner, etc. Il y a toujours comment dire, des trames très noires, très sombres, des personnages qui sont toujours creepy, très cringe dans son style. Et donc voilà, là, on a le choix, voilà, ou alors des trucs avec du pu. Et il adore en fait jouer avec les limites. De ce côté-là, malgré son dessin. Je vous montre un peu les dessins. Donc moi j'aime beaucoup et ça va, c'est clairement un auteur que j'ai apprécié de découvrir. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres titres de lui. Voilà, on voit là une sorte de poulet à tête humaine en train de manger par un bébé vorace avec des dents affreuses. C'est dégueulasse quoi, c'est dégueulasse. Et donc du coup, il y a trois histoires. Alors, j'essaie de me rappeler le Serpent Rouge, ça fait longtemps que je l'ai lu. Qui est vraiment, je crois que c'est l'histoire d'une maison très chelou, celui-là. Je regarde un petit peu parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, celui-ci. J'ai un très bon souvenir de Panorama de l'Enfer et je crois l'Enfant Insecte. Mais pas de Serpent Rouge. En tout cas, on voit, je vais vous montrer. Ça se passe, ouais, c'est vraiment ce qui se passe dans une maison chelou avec un serpent qui est là, quoi. Voilà, vous voyez, c'est... Si vous aimez les trucs vraiment, vraiment bizarres, il faut lire ça, quoi. Donc ça, c'est Serpent Rouge, celui-ci. De Hideshi Inno. Voilà, je vous montre bien. Là, ça, c'est l'Enfant Insecte, par exemple. Donc l'Enfant Insecte, c'est pareil. Donc c'est l'histoire d'un gamin, là, larvaire. Voilà, qui va se transformer au fur et à mesure et qui va ressembler à un peu n'importe quoi. Voilà, on le voit là, cet enfant affreux. Et bien sûr, bah, ça monte dans l'horreur tout le temps, dans le côté dégueu. Il reste dans son truc avec cet enfant là, avec des yeux qui ressortent là. C'est chelou. Voilà, là, il a fait sa chrysalide. Ça me rappelle les souvenirs en le feuilletant. Donc voilà, donc ça c'était l'enfant insecte. Oh, en plus la fin à chaque fois elles sont affreuses. Par contre, mon préféré c'est celui-ci. Panorama de l'enfer. Je l'ai vu passer dans le chat, il y en a certains qui le disaient. Hop là, une petite seconde. Super. Trois panoramas, donc ouais, c'est Authentique qui disait ça, donc c'est cool que tu les aies lus. Toc. Oh, merci Emmanuel pour ton retour là sur Doro et Doro. Ouais, donc Serpent Rouge, c'est le plus étrange des trois pour toi, donc Léa. Si vous devez en choper un, je pense que c'est Panorama de l'Enfer. Pour moi, c'est le. C'est son meilleur parce qu'il y a une ironie dans celui-là qui est juste géniale. Alors, on y va. Panorama de l'enfer, c'est l'histoire d'un peintre, celle-là je m'en rappelle beaucoup mieux, donc je pourrais vous la résumer un petit peu mieux, qui peint des tableaux. Et ces tableaux, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est des visions horrifiques. Et ces visions horrifiques, à chaque fois, ils partent dans des délires, on les voit en fait. Pour arriver jusqu'à une sorte de consécration de la vision horrifique. Donc je ne peux pas vous en parler plus pour pas vous spoiler. Mais à chaque fois, on voit justement toutes les abus humains, etc. Et c'est toujours dans ce côté noir, glauque, voilà, des cochons qui sont sur des pieux. Salut Julien. Donc effectivement, toi aussi tu confirmes. Et quand je l'ai lu,
Panorama de l'enfer, moi ça fait comme ça dans ma tête. J'ai kiffé cette lecture. Et je crois que ça avait été mon premier d'ailleurs. C'est pour ça que les autres sont bien, mais je trouve qu'ils sont pas au niveau de Panorama de l'enfer. Il est un petit peu au-dessus celui-ci. Hop là, je fais attention, parce que je veux surtout pas trop vous spoiler, je vous montre les dessins. En tout cas, vous voyez, hein, les dessins, toujours des psychopathes remplis de sang. Voilà. Ils se défoncent la tronche. Donc c'est ça qui est cool avec avec Inno en fait, c'est qu'il n'a pas de limite en fait, lui. Il dessine ce qu'il a envie et comme il a envie en fait. Donc voilà, donc jusqu'à voilà, il devient fou, enfin il fait n'importe quoi. Et ça raconte toujours son passé. Ah oui d'ailleurs, voilà, elle collectionne aussi les mangas d'un auteur malsain d'un certain Hideshi Inno. Et là, il met tous ses mangas dans la collection. Parce que la petite, elle est totalement chelou. Elle fait vraiment peur. Donc voilà. Et tous les personnages, en fait, de ce mangaka, c'est hyper chelou. Même les couvertures, moi j'adore les couvertures, ça donne le ton. Donc si vous voulez découvrir juste un livre, je vous conseillerais Panorama de l'Enfer. Sinon, si vous êtes chaud, ben, allez-y. Il y a un prochain livre qui va sortir chez Starfruit Edition, en anglais, de lui. J'attends que ce soit disponible pour me le procurer. Donc voilà, et puis j'aime bien la charte graphique, très simple mais efficace. Voilà pour ça. Ensuite, on va avoir. On fera peut-être les Ito après. Je vais enchaîner sur le reste. Allez, on va enchaîner là-dessus. Alors là, il y en a un paquet. Alors, je vais vous les montrer, mais après, ça va être un peu redondant, mais je vais quand même vous les montrer. Alors, là, récemment, cet auteur s'est fait connaître pour une adaptation très remarquée. Est-ce que ça vous parle? À qui vous pensez? Quel auteur pensez-vous? Donc, je vais vous donner un indice. C'est des éditions avec du faux cuir. Vous devez les voir là sur le côté. Je les cache. Exactement, c'est Dutanabe, tout à fait. Alors, Dutanabe, il faut savoir que avant que Lovecraft arrive, il y avait d'autres trucs qui sont sortis d'eux. Et le premier, c'est The Outsider. Et j'ai la première édition. Et la première édition, il y a un effet miroir dessus. Elle est très cool, cet effet miroir. Ils ont eu une aide authentique. Ils n'ont pas triché, ils ont eu une aide visuelle. C'est pas pareil. Et donc, de Outsider, donc Gutanabe, à l'époque, j'avais connu ça par The Outsider. Ça m'avait pas marqué. Honnêtement, ça m'avait pas marqué. Tanabe, il a un style graphique assez particulier. Et on sent dans ces histoires-là que c'est assez brut. Donc, c'est un recueil de quatre histoires. Et donc une adaptation de Lovecraft et des adaptations d'histoires russes de mémoire. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je ne pourrais pas vous redonner un avis, mais ça n'avait pas marqué. Je l'ai fait relire à des amis récemment et qui m'ont dit que pareil, c'était pas oufissime par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc c'était intéressant pour le côté de découvrir Tanabe, mais c'était pas l'indispensable de l'auteur. Donc voilà, des petites histoires reprises de contes russes ou japonais et de Lovecraft. Voilà, c'est pas ouf, hein, tout à fait. Par contre, la couleur est très cool. Et graphiquement, on sent qu'il n'est pas encore, il maîtrise pas encore parfaitement son art, quoi. Là, dans les Lovecraft, c'est clairement un autre niveau. Donc voilà, donc je suis quand même content de l'avoir, malgré tout. Il faudra que je me le relise un jour tranquillement. Et voilà, j'aime beaucoup cette couverture, cette cover tout en miroir.
Et justement, puisque tu en parles, Jocelyn, après j'ai découvert Gutanabe avec Kazané, sorti chez Kana, en deux volumes qui reprend une légende japonaise très connue là-bas. Et perso, ça, j'ai adoré. Ça, j'ai vraiment aimé Kazané. Et on va commencer déjà à retrouver un petit peu son style que l'on connaît. Hop là. Un style qui est déjà un petit peu plus maîtrisé. Et là, comment dire, vraiment l'ambiance qu'il met en place, la noirceur de ses décors, il y a un côté très oppressant, il y a un côté très angoissant qui se développe au fur et à mesure du récit. Et honnêtement, c'est vraiment un excellent bouquin. Moi, je me suis régalé à le lire. C'est en deux volumes, c'est parfait, c'est dans le sens où ça traîne pas. Et ça reprend la légende et il y a l'angoisse qui monte au fur et à mesure, notamment avec cette professeure là de musique elle fait flipper. Elle fait flipper. Et puis je sais pas, dans les angles de vue, dans les regards, dans tout ça, il y a vraiment une tension qui se met en place au fur et à mesure. Donc ouais, Lovecraft sont excellents, tout à fait Nico. Et je vais en parler juste après. Donc voilà, donc The Outsider. Et ça monte au fur et à mesure. Je vous montre un peu le volume 2. Et en plus, j'aime beaucoup la couverture. Alors sur la première, il y a un effet supplémentaire. Et j'aime bien le petit truc. Les éditions, généralement, je m'en fous un peu. Hein, mais je les trouve jolies. Je les trouve très jolies. De ce côté-là, Kana avait fait un joli travail là-dessus. Quand c'est fait, autant le souligner. Donc voilà, on voit de malédiction qui se met en place, tout ça. Alors là, comme ça, je ne spoil rien parce qu'il faut le lire après. Hein. Mais voilà, on sent, voilà, on voit les meurtres qui commencent à arriver, on voit les éléments macabres et tout. Et vraiment, au fur et à mesure, voilà, ça se développe. Et c'est excellent. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu Kazané, volume 1 et 2. Et en fait, c'est vrai que celle-ci, elle a un. Je sais pas si vous voyez. Elle est pas lisse en fait là. Elle a un revêtement. Alors que celle-ci, mon tome est un peu abîmé là, celui-ci est lisse. Donc je sais pas, ils ont dû changer la fabrication entre les deux. Un petit peu. Et après, on arrive à ceux que vous connaissez le plus, c'est-à-dire tous les Lovecraft. Je les ai tous. Je les ai tous. Alors, j'en ai chroniqué pas mal déjà je sais plus, en critique, là, que je poste. Et donc, du coup, je vais revenir rapidement dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, voilà. Salut, Gakumetsu. Bienvenue à toi. Alors, donc, vous savez, il a repris les Lovecraft. Il a mis sa patte graphique dessus. Et il faut que tu cherches sur les sites de revente, je pourrais pas te dire comme ça. Et donc du coup, c'est sorti pas dans le même ordre qu'au Japon, de mémoire. Kiyu n'a pas respecté cet ordre-là. D'ailleurs, le premier qui est sorti, c'était les montagnes hallucinées, qui sont là. Donc ça surprenait parce que justement, on avait ce faux cuir, une très belle. Très belle édition de la part de Kiun. J'aime beaucoup hein, justement ce truc-là, hein, avec des reliefs et tout, donc ça c'est cool. Et donc on a découvert avec ça. Et donc pour ceux qui connaissent Lovecraft, ben, c'est top. Enfin, ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, c'est top parce qu'ils redécouvrent l'histoire. Et ceux qui connaissent, je pense qu'ils prendront plaisir à voir une vision graphique de tout ça. Alors je dis pas qu'il les faut tous, mais. Il y en a certains qui sont vraiment excellents. Et par exemple, les Montagnes Hallucinées, c'est le cas. Par contre, c'est un livre qui va révéler la grosse le mythe en fait que Lovecraft a mis en place. Alors quand on commence par lire ça, bah, du coup, on a le mythe qui est dévoilé et c'est un peu dommage. Donc ça aurait été bien qu'il le garde un petit peu pour après. Bon, c'est un choix hein, d'avoir fait ça. En tout cas, graphiquement, c'est superbe, comme vous pouvez le voir. Et ça, il y a vraiment une ambiance mais pesante qui se met au fur et à mesure de la lecture. Alors on reste sur les histoires qui ont été écrites dans les années 1900 avec des explorateurs, avec des choses comme ça, parce que ben, c'était
la façon de raconter ça. Et j'ai pu lire grâce à ça les romans originaux, pas tous, mais j'avais lu Les Montagnes Hallucinées, j'avais lu Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. Et ça m'a fait lire du Lovecraft, et honnêtement, le Lovecraft original, c'est dur à lire. Hein. C'est dur à lire. Moi, j'étais perdu. Beaucoup trop de. Je sais pas, on se perd dans la lecture. Beaucoup trop d'explications, pas très utiles et pas très claires. Donc, Montagnes Hallucinées, très bonne histoire. J'ai même pu parler là du dessin, parce que à chaque fois, vous voyez, c'est ces magnifiques dessins de monstres qui retrouvent. Voilà, qui est en train de dépecer et compagnie. C'est super beau. Franchement, voilà, moi niveau dessin, j'adore parce que à la fois il arrive à dessiner des choses très détaillées et à la fois ça fait un effet flou où on n'arrive pas à définir parfaitement le truc. Donc voilà. Alors en fait, Amanda, y a pas, tu te feras pas vraiment spoiler. C'est plutôt après, tu as un mythe général, mais il y a des histoires qui sont indépendantes. Typiquement, celui qui hantait les ténèbres et. La couleur tombée du ciel. Ce sont deux livres, ce sont des histoires que Lovecraft a écrites. Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas relié au mythe. Donc tu pourrais tout à fait commencer par ça et ensuite rentrer dans le mythe. Par contre, si tu veux rentrer dans le mythe, peut-être lis Les Montagnes Hallucinées en dernier. Comme ça, tu découvriras la genèse de l'univers tout à la fin. C'est le seul conseil que je pourrais te donner. Donc c'est lequel votre préféré? J'ai vu que tout à l'heure, il y avait les montagnes hallucinées qui avaient été citées. Je regarde un petit peu vos messages. Eh bien Camille, pour les Lovecraft en roman, effectivement, mais il retrace très très bien justement cette ambiance derrière. Tu vois, là, c'était les montagnes hallucinées. Je passe au suivant parce que là, on a bien vu. Par exemple, si on prend Toulouse. Toulou, toulou, toulou. Voilà, on va par exemple avoir ces côtés, on retrouve ce côté très angoissant aussi, et qui reprend le mythe. Donc tu peux y aller, hein. Là-dessus, il est très fort pour ça. Surtout si tu as envie de redécouvrir ou faire découvrir Lovecraft à quelqu'un, c'est une très très bonne façon. Donc toi et Manon, tu les écoutes en livre audio, les romans. D'accord. Donc voilà, Julien, les nouvelles sont très descriptives. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir les coffrets, effectivement, des séries. Ils sont tous liés au mythe. Oui, mais il n'y a pas de lien direct, là, j'ai l'impression, dans ça. Alors que les autres, les liens sont directs. C'est mentionné, on parle de Toulouse, on parle des anciens, on parle de tout ça. Et dans ces deux-là, j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc pour l'appel de Toulouse, pareil, à la fin, jusqu'à voir, ben, on voit le monstre, là. Je suis même pas, je suis à un quart du livre, hein. Donc pareil, hyper sympa à découvrir le mythe. Alors le mythe aujourd'hui est très connu, mais de connaître justement l'histoire originale et comment c'est amené, c'est très intéressant. Donc voilà, donc ça franchement, très bonne pioche de Kihoun. Très bonne adaptation, je trouve, de Talabé, parce qu'avoir lu l'histoire originale, franchement, quand j'ai fini les histoires que j'avais lues d'abord en manga, ben en fait, j'étais... J'étais paumé en fait dans les romans, alors que le manga, je ne suis pas paumé. Et c'est ça la force en fait de l'auteur. Donc je vois qu'il y a pas mal de préférés qui sont passés, de l'abîme du temps, la couleur tombée du ciel et Innsmouth. Mais moi, mon préféré, enfin, on ne dit pas moi je, mais mon préféré, c'est la couleur tombée du ciel. Lui, c'est mon préféré. C'est une histoire qui est un peu indépendante. Ah ben, Mathieu a beaucoup aimé aussi. Et j'ai beaucoup aimé celui-là parce que il y a c'est une météorite qui tombe. Et donc du coup, tout va pourrir autour de cette météorite. Et les personnes qui vivent vont commencer à délirer, à mourir. Enfin, ça va partir dans n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a une angoisse qui se met dedans, il y a une oppression dans ce livre. Moi, j'ai adoré la lecture de ce récit. Et ça reste mon préféré à ce jour de tout ce que j'ai lu. Donc voilà, et en plus d'être, comme d'hab, super bien dessiné, je trouve. Voilà, je vous montre quelques images. Donc voilà, donc ça, couleur tombée du ciel, très cool.
On a aussi Celui qui hantait les ténèbres. Ce n'est pas mon préféré, clairement pas. Il irait en bas de la pile, mais il reste très sympa à lire. On a deux histoires. On a une histoire de dragon qui est assez courte, mais pas mal. Mais surtout, on a une histoire, la deuxième, voilà, c'est Celui qui hantait les ténèbres, où quelqu'un arrive dans une ville, il se passe des trucs bizarres et il va rentrer dans un bâtiment, une sorte d'église. Et plus il va approfondir et plus il va trouver les trucs chelous. Et il y a vraiment, il est un peu court le récit, c'est son problème, mais il y a vraiment une tension qui se met dedans. Au fur et à mesure, il arrive à nous faire ressentir cette pression au fur et à mesure des découvertes. Voilà, donc avec toujours des monstres et des choses comme ça. Donc très bon récit aussi, même si c'est pas mon préféré. On a dans L'Abîme du Temps, qui est assez costaud, celui-ci. Et celui-ci, il fait combien? Il fait 350 pages. Ouais, il fait 350 pages, celui-ci. Et là, on a une sorte d'histoire de, pas de réincarnation, mais de changement de protagoniste, en fait. Il y a un mec qui va prendre la peau d'un des anciens, un truc comme ça. Et donc du coup, il va découvrir un petit peu ce qui se passe. Ça aussi, c'est un des livres, je pense, à lire plus en dernier. Avant les montagnes hallucinées, mais plus vers la fin. Donc voilà, donc d'abord c'est le professeur, tout ça, ça met un peu en place le pitch. Et on va retrouver voilà, des images des cités perdues. Ces fameux anciens là tout chelou là qui écrivent avec un œil. C'est trop bizarre, quoi. Et en fait, on va découvrir l'univers un petit peu plus profondément de tout ça. Et franchement, c'est excellent. Donc pareil, c'est plus à lire à la fin. Si vous voulez pas être spoilé sur le mythe de Toulouse et tout ça. Voilà, je vous montre pas plus. Et les deux derniers qui sont sortis, c'est Le Cauchemar d'Ismount. Lui, je n'en ai pas parlé. Si, j'en ai parlé à mon dernier live de mémoire. Donc, les dernières traductions. Alors, effectivement, je ne sais pas quelle traduction j'ai eue sur les romans, mais ça a été un peu compliqué. Alors, les personnages ne sont pas récurrents. À chaque fois, c'est les nouveaux protagonistes. Mais par contre, il y a des recettes, des ficelles scénaristiques qui reviennent. Désolé, je fatigue un peu. Et donc lui, par exemple, j'ai beaucoup aimé le cauchemar d'Ismout parce que c'est un mec qui doit aller dans une autre ville et il va pas avoir le choix que de prendre le bus et de s'arrêter dans une ville où que tout le monde lui dit de ne pas aller à Ismout. Et il va y aller. Et c'est une ville qui n'est même pas sur la carte, etc. Et une fois qu'il est sur place, il va comprendre pourquoi il ne fallait pas y aller. Et là, pareil, il y a toute une tension qui se met en place, une chasse à l'homme, tout ça. Et franchement, l'auteur, il arrive encore à nous faire vivre le truc. Et c'est la force, en fait, de Gutalabé, quoi. Il a trouvé son truc avec ça. Parce que là, le fait qu'il soit guidé, ben, il se concentre sur la narration, il se concentre sur le dessin. Et il a tout. Il se lâche, quoi. Donc j'espère qu'il va continuer de ce côté-là, quoi. Hop là. Et il y a deux volumes pour celui-ci. Voilà, je ne vais pas vous montrer plus loin que le premier volume. Vous pouvez voir un petit peu les images. Mais voilà, il y a quand même des visions horrifiques dedans. Donc voilà. Et effectivement, le tome 1 met en place tout ça. Et c'est à partir du tome 2 où l'angoisse commence. C'est pour ça que j'aime bien avoir l'intégrale quand il y a ça. Et je n'avais pas lu le tome 1 en premier. J'avais attendu que les deux sortent. On le voit là, entre visage chelou et ce sorte de monstre-là. Donc effectivement, Nico Robin, tu as tout à fait raison. Merci Manon pour les conseils cinématographiques et n'hésitez pas à noter. Donc The Thing, je l'ai vu il y a longtemps. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Donc voilà pour Tanabe. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire parce que ça reste un manga qui est récent. Ça sert à rien que j'y passe 10 heures dessus. Beaucoup ont déjà lu du Tanabe. Et c'était plus intéressant de parler surtout du début. Là, le but, c'était plus vous guider en disant, ben voilà, vous voulez lire du Tanabe, la version Lovecraft, ben, vous savez que La couleur du ciel et Celui qui hantait les ténèbres sont des histoires plus indépendantes. Et ensuite, de lire
L'abîme du temps et les montagnes hallucinées en dernier. Voilà, à ce jour, c'est ce que je conseillerais. Après, bien sûr, chacun est libre de lire comme il veut, hein. C'est qu'un conseil comme ça qui vient. Hop. Hop, je range au fur et à mesure, hein, parce que sinon je me retrouve avec 3000 livres à ranger. Alors, on va bientôt arriver à du 8o, mais avant de faire du 8o, Boris, il y a un autre manga qu'il faut que je parle. Il faut. Non, voilà. J'arrive plus à parler français. Notre manga dont je souhaite parler. Je vous l'ai dit, hein, grosse dernière semaine était bien occupée, donc là j'ai pas pu faire ma petite sieste avant le live. Là c'est très cool, on est vraiment nombreux. Tout à l'heure on était 60 connectés, là on a encore 42. Donc vraiment merci à tous, hein, d'être là et de regarder et de commenter. Ça fait plaisir. Je vois que vous appréciez qu'on découvre ensemble toute ma collection. Et là le livre. La collection dont je souhaite parler, c'est celle-ci, Fury et Chimiko. Qui connaît cette série? Qui a lu cette série? Cette série qui est incroyable. Incroyable. Voilà, chef-d'œuvre. Merci, merci Lolo 73. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Chef-d'œuvre. OK? Et en plus. Je vous le dis, elle est encore trouvable, pas trop chère. Dans les peut-être 5 euros pièce, le livre. Donc vraiment, ne passez pas à côté de Chury et Chimiko. J'avais acheté ça vraiment sans savoir ce que j'achetais. Donc et donc du coup, je l'ai acheté, je dis, je vais tenter, c'est pas grave. Effectivement, il revient bientôt chez c'est Moro Oshii et il revient chez Black Box. Pardon. Il revient avec le manga Box chez le Lézard Noir. Voilà. Normalement, c'est Box, ça s'appelle de mémoire, en 3 volumes. Et là, j'ai hâte qu'il revienne. Ben, ça, je vais acheter jour J parce que ça fait des années et des années que j'attends que le manga revienne. Alors, il faut savoir que c'est une série qui est en 6 titres, en 6 volumes, pardon. Et ben on a les 5 premiers et pas le 6e parce que Doki Doki a arrêté la série avant. La bonne nouvelle, c'est que c'est des livres qui sont indépendants. Ça évolue au fur et à mesure du temps, mais ils restent indépendants. Et donc du coup, ben Chury et Chimiko, ben c'est ce qu'on a. Et c'est pas grave. Moi j'ai le 6 en japonais que j'ai prêté, je crois. C'est ça. J'ai prêté, on ne me l'a pas encore rendu. On m'a rendu que les versions françaises. Et Moro Oshii, c'est une référence dans le fantastique. Et c'est pareil, vous aimez Junji Ito, Moro Oshii, c'est une de ses références, clairement. Il a inspiré énormément d'autres mangaka, autant hommes que femmes. Et donc, c'est un indispensable à découvrir. Déjà, c'est. Alors, il y a un côté hyper décalé. Alors que le dessin fait un peu ancien, hein, mais. Il y a un côté qui est hyper décalé avec les situations et il y a un humour qui est à la fois noir, il y a un humour qui est grotesque et qui est délicieux. Franchement, cet humour-là, moi j'en redemande en permanence. Par exemple, le premier chapitre, pour vous donner une idée, c'est deux, alors Shuri et Shimiko, hein, qui sont deux lycéennes, une un peu tête brûlée, tout ça, qui ont trouvé une tête dans le jardin, dans un parc, et qui décident de l'élever. Dans un aquarium, et ils vont trouver un livre, comment élever une tête décapitée. Voilà, parce qu'on trouve des livres comme ça là-bas, sans problème. Et ils vont le mettre dans un aquarium, et puis tout naturellement, ben voilà, ils vont s'en occuper dans un aquarium. Et c'est que des histoires un peu barrées comme ça, avec une multitude de personnages qui va se rajouter au fur et à mesure, et des personnages fantastiques en fait. J'essaye de vous trouver des images après. Hop. Avec des personnages fantastiques ou des rues fantastiques. Donc du coup,
Par exemple, à un moment, voilà, la rue qui monte alors qu'avant elle ne montait pas. Il se passe tout le temps des événements bizarres. À un moment, ils sont dans une librairie, puis ça devient un labyrinthe. Et donc, du coup, comment dire, ça devient un labyrinthe et du coup, il se perd, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que le livre s'écroule, la maison s'écroule, enfin, ça devient mais n'importe quoi. Voilà, alors là, voilà, le pâtissier qui tire une gateline de gâteau. Et vraiment, il y a ce côté fantastique, en fait, est de plus en plus présent dans les autres volumes. Alors, c'est un ordre, hein, pour les lire, parce que même s'il n'y a pas de numéro, il y a bien un ordre. Hop là, j'essaie de trouver. Voilà. Genre, à un moment, elles ont un chien invisible, par exemple. Alors, comme ça, on se dit, ouais, sans plus, quoi, je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Mais en fait, c'est vraiment une série qu'il faut lire. Si vous aimez le fantastique, vous aimez les trucs comme ça, c'est juste génial, quoi. Salut Milo, bienvenue à toi. L'auteur qui ne s'est pas expliqué qu'au début. Alors, je ne me rappelle plus parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais le souvenir que ça m'a laissé, le souvenir est juste génial, quoi. Voilà, genre, à un moment, elles sont dans un monde un peu fantastique, tout bizarre. Puis elle s'assoit sur une motte de terre et en fait, non, c'est un monstre qui essaye de la bouffer. C'est que des trucs comme ça. Et c'est. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup en lisant ça. La petite Toulouse, oui, tout à fait. La petite Toulouse, parce que c'est référencé à Lovecraft à mort aussi. Il y a beaucoup de références à Lovecraft. Et à tous ces univers fantastiques, comme les autres auteurs d'horreur, en fait. Sauf que lui, il fait partie de la génération avant Junji Ito. Et donc, c'est très très cool que ça revienne. C'est n'importe quoi, ce série. C'est décalé en permanence. Vraiment, ne passez pas à côté. Essayez au moins de choper le premier. C'est un régal à lire. Je râle un petit peu. Voilà. Après, il y a des mondes fantastiques qui apparaissent. Voilà, des hommes-poissons. Voilà. Et il y a des postfaces de Jean-Pierre Dionnet. Jean-Pierre Dionnet, c'est un mec qui est hyper calé dans le cinéma alternatif. Avant, il présentait des émissions sur Canal+, avant le film, le film de sélectionné par lui-même. Je regardais ça quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était toujours des films atypiques. Et en plus, il y a un travail qui, justement, à la fin, explique les références, explique tout ça. Et Doki Doki avait fait un bon travail là-dessus. Hein. Franchement, ils avaient vraiment essayé de pousser le manga, mais ben, pas de chance, ça n'a pas pris. Merci Manon. Ben, avec plaisir, à la prochaine. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Attends, désolé, je cadre mal. J'insiste sur ce manga parce que vraiment il est bien. Et ça fait partie de ces mangas surprises où j'aurais pas mis un euro dessus en le feuilletant comme ça, vite fait, en me disant ouais, bof. Et en fait, quand on le lit, c'est juste, juste génial. Donc voilà. Donc ne passez pas à côté. Et même s'il n'y a pas le volume 6, ça ne change rien à découvrir cette série. Donc, Chori et Chimiko, en 5 volumes du coup. Et je peux pas vous montrer le sixième en japonais. Je l'avais acheté, je l'avais commandé. Donc voilà. Après, ça peut arriver que tu n'apprécies pas le genre, et c'est possible, hein, Bibi. Donc, il faut toujours penser que quand quelqu'un aime quelque chose, c'est pas pour ça que ça peut correspondre à vos goûts. C'est pour ça que chaque fois, je vous dis bien ça, j'ai aimé, et c'est mon côté là, clairement. Et ça, je regrette pas, parce que ça s'est pas vendu. On l'a trouvé d'occasion à une époque à 2 balles pour s'en débarrasser. Je crois que Doki Doki, le dernier volume, il a vendu genre à 200 exemplaires, un truc comme ça, enfin. C'était des volumes ridicules et du coup ils ont arrêté, ils n'ont pas fait le 6, ils ont voulu arrêter les frais. Ce qui est dommage parce qu'un volume, on aurait pu avoir l'intégrale et ils auraient pu potentiellement faire une offre 6 volumes avec un coffret. Enfin, ils auraient pu se débrouiller comment dire, à vider les stocks. Mais bon, mais ça s'est pas fait. Bon, on fait du humez ou on fait du huito? On fait quoi maintenant? Humez ou huito? Je peux pas lancer les sondages. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que là, il nous reste du humez, la collection Les Arts Noirs, ou tous les hitos que j'ai. Que j'ai ici, en tout cas. Parce qu'il y en a un que j'ai prêté, qui est déserteur.
Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez là? C'est vous qui choisissez la prochaine série. J'ai passé plus de temps, je crois, sur ces mangas là cette fois que la dernière fois. Parce que je vois qu'on en a passé moins. Après, ah oui, mais. Après, il y avait beaucoup de one-shot. C'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Les deux. On va les faire, les deux. Ce soir, c'est sûr qu'on va les faire. Umez et antérieur, tout à fait. Junji Ito, chronologiquement, Umez. Bon, allez, on va faire un pile ou face. Ok? Donc ça, c'est pile, ça, c'est face. Donc si c'est pile, c'est Umez. Ok? Si c'est sur le ticket, c'est Umez. Si c'est ça, c'est Ito sur la barre. Ok? Alors je joue. Hop là. Je vous montre, hein, sans tout casser. C'est. J'avais dit quoi déjà pour la barre? J'ai oublié. C'est du Ito. Si c'est pile, c'est Ito, j'avais dit. Non, j'ai vraiment oublié. Dites-moi. J'ai dit un truc et je l'ai oublié dans la seconde. Si c'est face, c'est pas Umez. Eh bien, du coup, c'était phase, donc c'est Ito. Allez, chercher du Ito. De toute façon, on va tout faire. Bon, je vais les prendre en ordre, hein, tels qu'ils sont dans ma collection, hein, ok? Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a un paquet, je vous le dis. On va y passer un moment là. Parce que là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Ito. Ça me dépasse, hein. Ça me fait de l'ombre même. Alors, Ito, il faut savoir que à l'époque où je l'avais lu, j'avais pas apprécié spécialement Ito. J'avais aimé Spiral, j'avais aimé Tomie. Mais dans ces petites histoires courtes, à l'époque, je n'arrivais pas à lire des histoires courtes. C'est-à-dire que pour moi, les histoires courtes, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne comprenais pas. Je me disais, ouais, mais dans un volume, on a le temps de rien développer. Alors, parce que quand tu as l'habitude de lire des trucs de 30 volumes, 40 volumes, tu dis OK. Donc déjà, je n'appréciais pas. Mais en plus des histoires courtes dans des one-shots, mais quelle horreur, quoi. C'était lire une histoire de 20 pages, mais pourquoi on fait ça, quoi? Et donc du coup, je suis passé à côté de Ito pendant des années, enfin du moins de faire sa collection complète. Un peu à regret aujourd'hui, mais bon, mais c'est comme ça. Il faut accepter ses erreurs du passé. Et donc du coup, quand j'ai voulu faire l'intégrale, bah, c'était trop tard, hein, vous connaissez le marché. Mais j'avais quand même acheté quelques livres que j'avais gardés et je n'ai pas revendu. Donc Ito, je l'ai surtout redécouvert vraiment à sa juste valeur que ces dernières années. Et là, c'était trop tard pour faire l'intégrale de sa collection. Mais c'est pas grave, puisqu'il y avait des éditions anglaises, il y avait plein de choses pour compenser. Et donc, dans les histoires, on va commencer par les plus connues. Hein, je pense que ça peut être pas mal. Nya. Il a trop. Hop. On va mettre ça là. On va commencer par Spiralou. Bon, là, Spiral, on commence par les plus connus. Hein. Alors, il faut savoir que Spiral, j'ai deux éditions. J'aime beaucoup la cover de la première édition. Voilà, très crayonné. Par contre, là, c'est toi, Boris, là, tu vas te faire plaisir. Ils ont été, mais bouffés par les poissons d'argent. Vous voyez toutes ces traces blanches, là? Voilà, tout ça là. Pas là où il y a écrit Junji Ito, hein, ça c'est normal. Et bien tout ça, c'est les poissons d'argent. On le voit bien là sur le numéro là d'ailleurs. C'est les poissons d'argent qui m'ont bouffé. Donc j'étais mais dégoûté. En tout cas, Spiral, c'est une série donc en trois volumes. Je vais pas passer 100 ans dessus parce que ben, c'est une des plus connues et puis elle est ressortie récemment. D'ailleurs, j'ai la nouvelle édition puisque la couverture c'était ça avant, mais en relief.
Et donc du coup j'ai Spiral, mais j'avais l'ancienne édition en fait avant. Et là j'en ai profité pour acheter la nouvelle, j'avais envie. Et donc du coup Spiral, hein, où ce sont des petites histoires qui au début sont indépendantes, qui au fur et à mesure prend de plus en plus d'ampleur et toujours sur en lien avec une spirale pour finir dans un délire au niveau d'une ville. Et moi personnellement j'adore Spiral, je trouve ça ultra chelou et excellent à lire. Donc si vous voulez découvrir Junji Ito, maître de l'horreur, hein, je ne vous l'ai pas présenté avant, mais du coup, c'est pour moi une des œuvres à posséder absolument de l'auteur. Donc voilà, alors je sais pas si je vais tomber sur des trucs chelous, voilà, on voit que tout qui vrille. Voilà, les filles avec les cheveux là en spirale et tout, c'est juste génial. Il y a une image très connue, je sais pas si je vais réussir à la trouver, mais une image très connue où on voit le visage avec un œil, avec une spirale à l'intérieur. En tout cas, hop là. Donc voilà, donc ça part dans un délire. Spirale, c'est franchement excellent en termes de lecture. Donc si vous voulez vous lancer dans Junji Ito, moi je vous conseille Spirale pour une série complète en 3 volumes et qui termine. Si vous n'êtes pas hyper fan des histoires courtes, sinon achetez les chefs-d'œuvre si vous voulez avoir un aperçu. Après, dans ces gros succès, il y a bien sûr, ça je vais vous montrer après. Il y a bien sûr Tomie. Alors Tomie, j'ai la première édition. C'est celle que je l'avais en hardcover, celle-là. Et donc Tomie, c'est des histoires qui, par contre, vont parcourir un peu toute sa carrière, où à chaque fois, il y a une fille qui va revenir. En gros, elle va faire devenir fou des hommes qui vont la tuer. Et à chaque fois, dans chaque chapitre, elle va revenir et qui, à chaque fois, c'est de plus en plus atroce la façon dont elle se fait tuer. En gros, c'est ça. Et ça suit un peu la carrière de Junji Ito, puisqu'il a dessiné Tomie au fur et à mesure des années. Et ça se voit graphiquement, en fait. Ça évolue énormément. Donc, c'est très intéressant de voir son évolution graphique. Amanda a eu peur de Spirale. Donc là, on voit. Alors, Junji Ito, lui, sa force, hein, c'est bien sûr de dépeindre l'horreur. Hein, et il a un côté où, très angoissant. Il arrive à dépeindre ça de façon hyper, hyper flippante. Avec oui, ce visage-là. Hyper flippante. Et franchement, ça marche très bien avec Junji Ito. Alors, moi, quand j'en lis, je ne suis pas en train de frissonner et j'ai peur. C'est pas ça, mais il arrive à me faire embarquer quand même dans une ambiance horrifique qui est vraiment géniale, quoi. Donc ça, c'est Tomie, ça, Tomie, je vous le conseille. Voyez, on voit que ça part un peu en couille dans les histoires. Hop. Et en troisième recommandation, absolument, c'est Guillot. Alors là, j'ai l'édition anglaise, Viz Media. Et Guillot, ça aussi, c'est vraiment excellent. Et en plus, il y a un côté absurde. Parce que, en fait, Junji Ito, souvent, il prend un élément du quotidien qui l'exagère, qui l'exagère, qui l'exagère pour devenir un truc totalement absurde, mais qui reste crédible dans son univers, en fait. C'est ça sa force à Junji Ito. Et là, typiquement, c'est des jeunes qui sont en vacances, ils sentent une mauvaise odeur, et en fait, il y a une sorte de poisson pourri qui les attaque. Et voilà, on les voit là, sur pattes. Et en fait, ces poissons vont être de plus en plus pire. Là, il y a un méga requin, par exemple. Donc voilà. Donc je continue. Et en fait, ça va arriver jusqu'au niveau de la ville. Ils deviennent tous fous. Ça devient n'importe quoi dedans. Et en plus, il y a vraiment ce côté mais poisseux qui pue. On le ressent quand on le lit. C'est juste génial. Guillot, regarde l'atmosphère des pages, comme ça a changé là, l'ambiance. Et à un moment, il tombe sur un cirque, c'est n'importe quoi, à un moment. C'est vraiment n'importe quoi. Et franchement, c'est absolument ailleurs. Donc, Guillaume, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Donc ça, c'est dans les recommandations. Je lis un petit peu vos messages avant de passer à la suite. Ta-ta-ta.
Ah, il y en a un qui a acheté Shurei Ichimeko sur Minted. Tu as très bien fait. Celui qui l'a acheté. Qui le dit dans le chat qui a acheté ça? Donc, Ito, plus souvent sur du malaise que de l'horreur, sauf quand c'est une horreur cosmique. Là, c'est terrifiant. Quand je les ai achetés à l'époque, alors, effectivement, il y a des titres qui sont inégaux, hein, bien sûr. Hein, il a fait je sais pas combien d'histoires, tout n'est pas au top, mais dans l'ensemble, c'est quand même dans la tranche haute, quoi. Sharknado, Turku, ouais, mais c'est un peu, ça ressemble un peu à ça, mais il faut lire Guillaume, quoi. Je vais les ranger un petit peu parce que je manque de place. Hop là. Alors, dans les histoires suivantes de Ito que j'ai pu lire, une que j'ai beaucoup aimée, c'est Remina. Et Remina, j'ai l'édition anglaise aussi. Et Remina, ça reviendra chez Delcourt Tonkam, puisque ça fait partie du catalogue qui est avec Spiral. Ça ne peut pas réapparaître chez Mangetsu, ce n'est pas possible. Donc, et Spiral, c'est pareil, c'est un truc qui part en délire, où il y a une sorte de comète avec un œil là qui va s'abattre sur la ville. Et Remina va devenir un peu le bouc émissaire du peuple, pensant que si on tue Remina, ça ira mieux. Et ça part dans un délire absolu de poursuite, de chasse à l'homme, tout ce qu'on veut. Pour devenir mais vraiment n'importe quoi à la fin. Je veux pas dire plus parce que je veux pas vous spoiler le plaisir. Je vous montre quelques planches comme ça pour vous donner envie. C'est pour ça que mes résumés aussi sont très basiques. Mais Remina, moi, ça fait partie de mes préférés. C'est un peu comme Guillaume. C'est un peu ça dans ce kiff-là, en fait. Comme Guillaume. Donc voilà. Ouais, cette énorme lune à œil qui les font tous flipper. Et à la fin, ouais, ils sont tous en train de voler de partout. C'est très drôle à lire, c'est excellent. Ensuite, on a celui-ci que vous connaissez si vous avez lu chez Mangetsu. C'est les chefs-d'œuvre de Junji Ito chez Mangetsu. Moi, j'ai l'édition anglaise et que j'avais acheté bien avant. Et ça, typiquement. C'est un récit qui est très bien pour découvrir les histoires courtes de Junji Ito. Donc, si vous voulez découvrir l'auteur, soit attaqué par ses plus gros succès, notamment Guillo ou Spiral, soit par les chefs-d'œuvre. C'est des très bonnes sélections d'histoires. Vous avez de tout à l'intérieur. Et ça vous permettra de découvrir les œuvres sans vouloir absolument avoir l'intégrale. Parce qu'avoir l'intégrale de Ito, après, il faut être fan de l'auteur. Parce que, comme on disait, tout n'est pas absolument génial. Même s'il y a des très 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 bonnes histoires dans l'ensemble. Donc voilà, donc ça vous pouvez y aller. Et dedans, il y a une des histoires les plus dégueulasses de Ito qui remue aux tripes. Ah, peut-être ça sortira en 2040, hein, Remina, c'est possible. Hein. Ouais, donc. Et à chaque fois, c'est. Horrifique. Qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci, Fragment of Aurore. Je crois que c'est un inédit, celui-là. Il n'est jamais paru en France, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pareil. Ce sont des récits d'histoire courte. Hein, j'adore cette double page-là. Et en fait, ça, cette double page, je ne sais pas si on va voir, mais en fait, sur l'édition, il y a, vous voyez, il y a un relief. On voit une fille en haut là. Et bien en fait, c'est ce relief, c'est cette page qui est en relief. Je vous la remets. Il est où Voilà. C'est celle-là. Donc c'est plutôt cool comme effet sur la couverture. Donc là, on a vraiment pareil que les histoires courtes. Mais très cool. Très très cool, toujours pareil, des histoires qui montent dans l'horreur. Faut pas dire plus parce qu'après il faudrait que je détaille chaque histoire. Mais lui il est bien.
D'ailleurs, il y a une version, y a une version animée qui est disponible sur Crunchyroll. Elle n'a pas beaucoup de moyens, mais moi j'ai bien aimé cette version animée, même si, voilà, on voit que c'est fait avec trois bouts de ficelle. Donc regardez-la, elle est cool, il y a quelques histoires que vous retrouverez dedans. Ah oui, Simon, tout à fait, c'est une référence directe au cri de Munch. Après, un autre manga qui est inédit, c'est celui-ci. Dissolving Classroom. Il a un petit format celui-là, l'édition est pas géniale. Ça, c'est typiquement l'édition américaine classique à 13 balles. Et franchement, elle est pas folle. Et en fait, c'est inédit ça aussi. Et c'est trois. Enfin, c'est comment dire, un frère et une sœur. Et lui ne fait que s'excuser. Que s'excuser. À la japonaise, il s'excuse tout le temps de tout. Et en fait, plus il s'excuse, et plus il crée des catastrophes. Et ça devient mais n'importe quoi avec le temps. Et sa sœur, elle, c'est une sadique absolue. Et franchement, c'est très cool à lire. Ça finit pas vraiment. C'est plutôt trois histoires à la suite. Il les a pas vraiment continuées. Mais franchement, j'ai pris un bon plaisir, un bon kiff à lire ces histoires. Et à chaque fois, bien sûr, ça augmente dans un délire, un délire, un délire. Ouais. Et à chaque fois, je suis vraiment, vraiment désolé, tu vois. Et puis tout le monde qui se transforme. Donc voilà, Dissolving Classroom, très très cool aussi à lire. Alors il y a pas mal de 8 tomes, hein, donc je les enchaîne un peu. Dans les. Tiens, un qui va surprendre un peu, pour changer. Le Journal des chats de Junji Ito. Qui l'a lu celui-ci? Il est très particulier celui-ci. Hein. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il est en relief. Il est en relief, les yeux, tout ça sont en relief là. Hardcover. Alors, il faut savoir que la collection de Junji Ito, il n'y a aucune couverture les mêmes. Tonkam s'est amusé à faire des effets de relief différents à chaque édition. Vous verrez, là, je vous ai montré beaucoup d'éditions anglaises. Je crois qu'il y a un gros décalage avec le chat, hein. Parce que du coup, je vois qu'il y a au moins 10 ou 15 secondes avant d'avoir une réponse. Donc ne soyez pas surpris si on est décalé. Entre le moment où je parle d'un truc et le moment où vous écrivez. Du coup, le journal des chats, c'est une comédie en vérité. C'est-à-dire que il a des chats et il va tout tourner de façon horrifique. Moi, j'aime beaucoup parce que, en gros, il est là, il monte son chat hyper angoissant, qu'il surveille, qu'il fait des trucs comme ça, pour à la fin, en fait, finir en mode ah non, mais il faisait rien en fait. Tu vois, donc, et ça, à chaque fois, c'est très drôle parce que c'est lui qui s'invente ses délires, en fait, sur ça. Et à chaque fois, c'est un mode, ça finit une histoire. Bon, mais j'arrive pas à tourner. Voilà, genre, il flippe et compagnie. Et puis, en fait, non, il s'est rien passé. Et c'est que ça à chaque fois, mais c'est bien trouvé. C'est très rigolo. J'aurais presque aimé qu'il fasse plus d'histoires. Donc, voilà. Donc, ça, l'histoire des chats, moi, j'aime bien. J'aime bien celui-là. C'est un petit chouchou. Un autre, on a les fruits sanglants. Regardez l'édition. Ça brille. Il y a un effet métallisé dessus. Avec les yeux là, ensanglantés. Elle est très cool, l'édition là. Et pareil, ce sont des histoires courtes. Avec comme histoire principale, les fruits sanglants. Et donc, c'est typiquement ce genre d'histoire où moi, à l'époque, j'ai pas été réceptif. C'est-à-dire que Ito, il a l'habitude de s'arrêter au moment de l'horreur le plus intense. Quand l'horreur arrive à son apogée, il arrête son histoire. Il te laisse là, en plan. Et moi, je me dis, mais je comprends pas, il finit pas ses histoires. Et en fait, ben, j'étais pas du tout dans le truc, quoi. J'avais pas compris ses intentions. Et donc voilà, donc je me rappelle plus ça fait longtemps que j'ai lu celui-ci. Et après, il y a des histoires anciennes. On voit graphiquement là, c'est vachement plus vieux. Mais voilà. Mais les fruits sanglants étaient pas mal. Après, les histoires, les autres, moins mémorables. Ensuite, il y a la maison des poupées. Alors, la maison des poupées, je ne pourrais pas vous le montrer comme ça. Mais en fait, les personnages brillent dans la nuit. Allez, on va essayer de le faire, attendez. On va essayer de le faire. Je sais pas si ça va marcher, mais
Je suis en train de lui faire capter la lumière. De toute façon, on a le temps, hein, on est d'accord. Vous avez envie de le voir ou pas, cet effet dans le noir? Parce que sinon, ça sert à rien, je reste un quart d'heure le bras levé, hein, vous me dites, hein, si ça ne vous intéresse pas. Alors, on va essayer. Je vais éteindre mes lumières. Il faudra les rallumer après, hein. Alors, est-ce qu'on va voir? Eh, on voit bien là. C'est pas cool ça? C'est pas cool? Là, je suis dans le noir, hein. Et j'ai pas éclairé longtemps. Voilà, je rebranche. Hop là, ouais, j'ai viré le spam, hein. Ça arrive régulièrement. Donc voilà, donc ça c'est très cool de ce côté. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que je l'ai pas fait longtemps. En plus, c'est des projos à LED, alors c'est pas non plus une lumière. J'ai pas mis au plus fort. Mais bon, pareil, histoire courte. La maison aux poupées très cool, mais on la retrouve dans les chefs-d'œuvre. Donc c'est un bon truc. Et donc je veux dire, voilà, vous pouvez l'avoir comme ça. Et après, pareil, on retrouve toujours ces histoires horrifiques, tout ça. Il y a des très bonnes histoires dedans. Celle-là aussi se retrouve dans les chefs-d'œuvre. Voilà, pour vous dire qu'il y a quand même des bonnes histoires. Parce que les chefs-d'œuvre, c'est une sélection de Junji Ito. Donc pareil, à réserver, ben, toujours pour la collection, quoi, hein, de continuer à les découvrir. Donc voilà, vous avez pu voir les faits. Après, j'en ai un autre, c'est le cirque des horreurs. Je les ai pas tous, hein. J'ai pas réussi à tous les choper, il m'en manque plein en fait. Alors celui-ci, la particularité, non, alors déjà, il n'est pas plastifié celui-ci, et il a juste des reliefs. Brillant, c'est tout. Il n'a rien de particulier. Donc voilà, un autre Junji Ito, avec beaucoup d'histoires courtes. Donc pareil, je me rappelle plus trop en détail parce que à force, on mélange les volumes, on mélange les histoires, on se rappelle pas de tout. Surtout quand on les enchaîne un peu. J'ai tout lu du Junji Ito, normalement. Moi qui manque un livre. Enfin, tout ce qui était disponible en tout cas. Et tout ce qui était trouvable en anglais. Même en scan. Donc j'ai tout lu. Et franchement, il est très très bon en tout cas à lire. Donc si vous n'avez jamais tenté Junji Ito, vous pouvez y aller. C'est des très très bonnes histoires. Voilà. Des éléments, voilà. Des trucs qui font bien flipper. Ah, et puis ouais, j'aime beaucoup son dessin. Donc voilà, donc ça c'est Ito. Il m'en reste encore 3 de Ito. Que ça vous plaît tout ça, dites-le moi si tout est ok, parce qu'après on va s'attaquer aux mèzes. Dans les trois, merci Authentique d'être assez si longtemps, très cool. Alors là, ouais, quand on a des intégrales d'auteurs, bah, du coup, ça dure longtemps hein, de présenter tous les livres. Alors, j'ai pas une intégrale de 8 tomes, mais vous verrez, il y en a pas mal quoi. Donc voilà, vous avez pu voir l'effet. Hop là. Frankenstein avec le manga Hallucination qui est sorti chez Tonkam à l'époque. Ça, c'est une version anglaise. Je crois que c'est le prochain manga qui va arriver chez Mangetsu. Bah, du coup, ça reprend l'histoire de Frankenstein de façon assez fidèle. Bon, très 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 cool pour découvrir Frankenstein avec la patte de Junji Ito. Donc c'est même effet que les Lovecraft de Talabé, hein. Ben du coup, c'est très cool quoi. Donc voilà, donc moi je peux que vous conseiller de découvrir ces histoires. Et à la fin, la deuxième partie, c'est Hallucinations, qui sont des séries d'histoires courtes. Attends, ça c'est toujours Frankenstein, voilà. Qui sont des séries d'histoires courtes avec ben, justement des hallucinations, des mondes parallèles, des choses comme ça.
Et qui sont pareils, qui montent en puissance à chaque fois. Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Ah ben, quand on va faire Tezuka, ça va durer 2-3 soirées, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Hein. D'accord, donc le 1er juin pour Frankenstein. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Hallucination. Et Frankenstein est très cool à lire. Honnêtement, il est bien. Après, voilà, hein, ça reprend le roman, ni plus ni moins. Hein. Donc si on n'aime pas la littérature, ou les adaptations de littérature, je veux dire plutôt, là, vous n'allez pas aimer, quoi. Smash. Smash. Qui est donc The Voice in the Dark and the New Voice in the Dark. Smash, pareil, histoire courte, très cool aussi. Franchement, ce recueil-là, il est bien. Il est vraiment bien. Donc, je le recommande. Je ne sais pas quand il arrivera en France. Mais c'est donc The Voice in the Dark. Donc, si ça sort avec ce nom-là, ben, du coup, voilà, vous savez que ça serait ce volume-là. En tout cas, c'est inédit en France pour le moment. Et pareil, c'est des histoires courtes et franchement, elles sont. Au début, j'avais cru que c'était un best-of, un truc comme ça, parce que toutes sont de super qualité, quoi. Je vous montre un petit peu les planches de Ito. Ah, je vois que j'ai prêté Sensor, ouais, donc j'en parlerai après. Donc voilà, les planches de Ito. Parce que ouais, des fois je prête quelques bouquins, donc du coup je n'ai pas tout. Donc voilà, donc en tout cas, et la dernière Smash est très bien, hein, franchement. Elle a été adaptée à l'animé d'ailleurs. Ouais, bien dégueu les planches. Donc ça, c'était Ito. Et le dernier que j'ai là aujourd'hui avec moi, c'est No Longer Human, c'est La Déchéance d'un homme, qui sort en petit format chez Delcourt en Cam. Et je l'avais acheté en fait en anglais, avec une belle édition. L'édition anglaise est très cool. Alors par contre, l'anglais est un peu difficile là. Moi j'ai eu du mal. Et comme Ito, il aime bien respecter les histoires originales, c'est cool parce que j'ai pu découvrir la déchéance d'un homme, mais version originale. Alors que la version de Furaya, qui est ressortie chez Imo récemment, j'en avais parlé dans un dernier live, elle est très cool, moi j'aime beaucoup. Mais par contre, comme c'est une version modernisée, ben, je ne connaissais pas l'original pour pouvoir me dire, enfin, comparer, quoi. Et franchement, l'histoire là, elle est excellente, hein, cette adaptation. Visuellement, Ito, il a atteint des sommets. Parce que là, les planches, c'est pas ce qui lui rend le plus l'honneur. Mais il y a des planches, elles sont mais incroyablement belles. Quand on le lit, on fait waouh! C'est très très impressionnant. Ici, il y a des scènes érotiques dans celui-ci. Alors que d'habitude, il n'y a pas trop. Il sexualise pas trop ses personnages. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois qu'il fait des scènes de cul, en fait. Et l'histoire, vraiment, c'est un mec qui porte la poisse à tout ce qu'il rencontre, quoi. C'est un mec qui sert à rien. Et il enchaîne les... Comment ça s'appelle? Les conquêtes. Et ces conquêtes, il les entraîne dans les bas-fonds. Elle se suicide, elle se machin. Enfin, c'est un mec, c'est une locumène, quoi. Il fait n'importe quoi. Et c'est fou, quoi. Et c'est hyper noir. Non, franchement, c'est excellent à lire. Donc là, ça me donne envie de le relire en fait maintenant que je connais l'histoire complète pour apprécier juste le manga, quoi. Il y a des planches, elles sont vraiment super beaucoup. Donc voilà, Déchéance d'un homme. Ça, il y a une version chez Delcourt Tonkam aujourd'hui. Et après, j'ai The Deserter, qui est sorti en anglais, qui sont des histoires de jeunesse de Junji Ito. Donc là, visuellement, on est dans les débuts de Tomie. C'est là où ça s'adresse plus aux fans déjà. Et le deuxième, c'est Sensor, que je vais prêter aussi. Et Sensor, vous pouvez retrouver ma critique sur mon compte Insta. Et pareil, j'avais dit que Sensor, c'est très beau. Il y a plein d'idées super intéressantes dedans. Mais qui ne sont pas exploitées à fond, en fait. On sent qu'il n'a pas réussi à aller à fond dans ses histoires. Et c'est un peu dommage parce que ça promettait lourd avec cette horreur un peu cosmique. Et il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait avec Sensor. Donc, et je retrouve aussi pas mal d'emprunts de ses anciennes séries dans Sensor. Donc ça, à la fois il y avait de l'originalité et à la fois il recyclait un petit peu. Donc c'est pour ça que les avis sont mitigés parce que ben, on s'attendait un peu à autre chose à Junji Ito, qui a l'habitude.
de nous fournir des œuvres bien plus qualitatives encore. C'est pas pour autant que Sensor est mauvais. Le seul problème de Sensor, c'est qu'aussi il y a eu une publicité très agressive de la part de Mangetsu sur Sensor, sa qualité, etc. Et je pense qu'ils ont peut-être fait une erreur, Mangetsu, c'est qu'ils auraient dû peut-être sortir les chefs-d'œuvre de Junji Ito en premier avant de sortir Sensor. Parce que ceux qui ont commencé par Sensor, je suis pas sûr qu'ils aient eu envie de découvrir plus, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé par Sensor et lu après, ou qui ont découvert Junji Ito récemment. Dites-le moi dans le chat. C'est ok. Hop. Un, deux et trois. Voilà. Alors, il s'est perdu en route avec Sensor, il le dit lui-même d'ailleurs. Ok. Donc, moi, je vais lire du Humez pour commencer. Alors, après, tu peux lire du Ito, du Humez, il n'y a pas de... il n'y a pas d'ordre. Hein. Alors, bon, il nous reste encore une petite heure pour ce soir. On a de quoi avoir des choses là. On a de quoi avoir des choses. Du coup, on va continuer sur du Humez. Alors, le dernier live, je vous avais parlé de Humez. Comment je l'avais rencontré, enfin, comment j'avais découvert l'œuvre et tout avec Baptism et ensuite L'école emportée en deuxième. Et après, ben, ça a continué des années plus tard. Ben, Lézard Noir est revenu avec des nouvelles œuvres publiées. Donc, moi, j'étais super content et bien sûr, j'ai tout acheté automatiquement. Quoi dire de plus? Non, j'ai pas, ça sert à rien que je refasse le truc. Et Junji Ito, je crois que j'ai tout dit. Et puis je vous ai dit comment je l'ai rencontré et les difficultés pour l'apprécier. Qui a acheté du Humez? Qui a l'intégrale de Humez? Ou une bonne partie? Dites-moi. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'est sorti, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors, ceux qui veulent découvrir Humez, la dernière fois, je vous disais, donc Humez, le dieu de l'horreur tel qu'il est appelé, le maître spirituel de Junji Ito. Donc voilà, c'est une référence dans l'horreur et ce n'est pas démérité. Mais Arnaud, t'as tout, toi. Il a tout, Arnaud. Et donc, du coup, la maison aux insectes, alors j'aime beaucoup la charte graphique de Lézard Noir. Avec son dos de côté très. Enfin, qui c'est Humez, hein, tout simplement. Hein. Et je crois qu'à la fin, voilà, on a toujours sa petite main, là, qui est très connue. Et en fait, La Maison aux Insectes, donc, ce sont des séries d'histoires courtes. Ah, c'est vrai qu'il coûte cher, mais c'est cool à avoir. Donc, de mémoire, ce sont des séries d'histoires courtes. Attends, je vérifie parce que je me trompe peut-être. Non, c'est pas Mancé, c'est Le Vœu Maudit qui est une série d'histoires courtes. Rappelez-moi dans le chat, je ne me rappelle plus. Ça a l'air d'être des histoires courtes. Non, c'est ça, c'est des histoires courtes. Oui, non, c'est bon. C'est bien ça. Que l'école emportée, La Femme Serpent, Tome 1, L'école emportée, Maison des Insectes. Voilà, il y en a quand même qui tentent. Donc ça c'est bien d'essayer, il faut essayer Humez. Et bien du coup voilà, donc ce sont des histoires courtes, horrifiques, avec la première c'est la maison aux insectes, avec une nana qui se transforme en insecte, etc. Enfin bref, ça dans son délire à lui. On retrouve graphiquement l'univers de Humez, et là vous n'allez pas être dépaysé. Moi j'aime beaucoup ces petits recueils d'histoires courtes. Hop là, je passe. Voilà, toujours avec cette horreur qui monte au fur et à mesure. Je l'ouvre pas plus parce qu'ils sont assez fragiles de dos, les lézards noirs.
au niveau du dos. Michi. Donc voilà, donc c'est, je me rappelle plus des histoires en détail, je l'ai lu à sa sortie, donc ça fait déjà quelques années. Mais je m'étais bien régalé à redécouvrir Humez, à redécouvrir l'horreur qui propose. Alors, je vous mets quelques images. Alors, la maison aux insectes. Puisqu'il y avait aussi le vœu maudit. Le vœu maudit m'avait marqué un petit peu plus avec cette statue-là que le garçon construit et qui va le hanter jusqu'à la fin. Donc voilà. N'oubliez pas que j'ai parlé de Humez à la fin du dernier live. Hein. Donc il manque deux Humez. J'aurais presque dû les garder pour là. Voilà, donc je vous montre un petit peu les planches les peu proposées. Moi j'aimais bien celui-ci. Je crois que je le préférais à la maison aux insectes si je devais choisir un des deux. Pas pour autant que l'autre est pas bon, hein, mais plutôt. Voilà. Et puis il y a toujours un côté fantastique, il joue avec le temps, il joue avec les monstres. Il reprend des légendes à la femme serpent. Donc voilà, donc ce Humez là, très cool. On a aussi la femme serpent qui est assez épais. Qui reprend ses premiers. Voilà, 1965. Là, on est vraiment dans ses premières œuvres. Pas les plus anciennes, mais on reste quand même dans ses premières œuvres. Et qui reprend vraiment la légende de la femme serpent. Donc on voit là, on est dans du shoujo. Puisqu'à l'époque, l'horreur était surtout publiée dans du shoujo. Parce que les garçons, c'est des vrais, ils n'ont pas peur. Il n'y a que les filles qui lisent ça pour se faire peur. Donc moi j'avais bien aimé là par contre, ça date de son époque aussi. Hein. Donc salut Begita, merci d'être passé. Donc l'école emportée est dans ta palle. Et Orochi. Okay. Donc voilà, donc ça, on sent que l'histoire est beaucoup plus ancienne. Donc là, ça va peut-être plus s'adresser aux fans de l'auteur, je dirais. Du moins, peut-être pas à découvrir en premier au niveau du Humez. En tout cas, voilà, moi je me suis bien régalé à le lire. Et c'est en trois histoires, je crois. C'est découpé en trois histoires, trois chapitres, mais qui se passent pas temporellement au même moment. Je crois que ça remonte dans le temps à chaque fois, en fait, pour comprendre l'horreur qui se met en place à chaque fois. Voilà. Après, ouais, j'ai beaucoup parlé de Humez, donc j'ai pas plus d'arguments que ça. Il nous reste deux titres de Humez, le fameux Orochi. Donc voilà. Tu vas finir en prison. Pourquoi en prison, Arnaud? Ouais. Toi, donc, Toninho, tu avais bien aimé Le Vœu Maudit et La Maison aux Insectes aussi. Mais c'est cool, ça. Alors, on va parler de Je suis Shingo après Bibi. On va en parler. Alors, Orochi, qui est donc la dernière sortie. Et Je suis Shingo, j'en parlerai juste après. Donc, Orochi, ça. Il faut savoir qu'Orochi, c'est l'œuvre, la première œuvre que Ito a lue de Humez. Comment dire, accroché de suite et lui a retourné le cerveau quand il était jeune. Donc Orochi, ça reste une référence. Et d'ailleurs, même si c'est totalement différent, j'avais l'impression, en lisant Tomie, de revoir un peu cet esprit-là. Mais c'est totalement différent. Ah non, c'est parce que je parle de trucs pour les filles et pour les. Ah oui, d'accord. Parce que comme il y a un gros décalage entre le moment où je parle et où tu écris, entre les garçons, c'est des vrais hommes et il n'y a que les filles. Voilà. Donc, mais c'était un peu ça, quoi. Hein. C'est comme ça que ça pensait, quoi. Ok. Non, mais Arnaud le sait que c'est du sarcasme. Ne t'inquiète pas, Tomigno. Donc, c'est. Il le sait, il me taquine. Donc, Orochi, à chaque fois, en fait, c'est une fille qui arrive dans une situation, qui voit une situation un peu chelou. Et elle va soit participer activement à ce truc, soit. Enfin, elle va se retrouver un peu là-dedans, soit elle va assister et commenter. Ça va dépendre un petit peu. Un petit peu ça. Moi, j'avais fait lire Orochi à des amis pour leur faire découvrir Humez. Ils ont détesté, mais détesté. Ils se sont moqués de moi sur Humez pendant je sais pas combien de temps, me disant que c'était tellement pas bien et que Junji Ito n'avait rien à voir et compagnie. Et il a fallu que je leur fasse lire
l'école emportée pour qu'ils me disent OK, UMES c'est génial. Donc du coup, moi je pensais qu'avec Orochi on avait un bon panel de ce que UMES faisait, et ben ils n'ont pas du tout aimé. Moi j'aime beaucoup Orochi parce que UMES il a cette façon de raconter les histoires qui est que tu ne sais pas où il t'amène. Tu le suis, il se passe des événements, il se passe des événements, il se passe des événements, et pour arriver à une conclusion. Et tu dis, mais où il va, où il va? Et il t'explique rien en fait. Tu suis les personnages, tu suis les actions, et à la fin, tu arrives à la conclusion, quoi. Et ça donne certains récits assez un peu haletants, entre guillemets, où on a envie de savoir comment ça va se terminer, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et tu fais, mais où ça va ce truc? Et c'est vachement cool à lire. Et donc Orochi, ce sont des successions donc d'histoires courtes, enfin courtes, qui font souvent 100 pages, voilà. Mais avec Orochi qu'on retrouve comme élément principal, comme fil conducteur de chaque histoire. Donc voilà. Donc je pense qu'au début, c'est pareil, il cherchait un peu la formule parce qu'il y avait un peu de l'horrifique et du fantastique. Et après, il affine pour être un peu plus dans l'horreur. Et l'horreur du quotidien, souvent. Là, c'est vraiment l'horreur du quotidien. Et souvent, c'est l'horreur un peu familiale, des mères qui torturent ses gamins, des trucs de famille où tu as la sœur qui est infernale. Voilà, des choses comme ça, en fait. Donc, c'est un petit peu différent. Et moi, j'aime bien. Alors, il n'y a pas de fin en soi, hein. Il faut vraiment prendre ça comme des histoires avec un personnage récurrent. Faut pas chercher de finalité là-dedans. Mais c'est très cool à lire. Moi, j'aime beaucoup Batizum. Orochi, pardon. J'aime beaucoup Orochi. Même si je préfère Batizum ou L'école emportée et tout ça. Mais je trouve que c'est une très très bonne lecture. Donc, voilà pour Orochi. Il y en a 4 de Orochi. J'ai pas sorti les 4 volumes. Hein. Et le dernier. C'est le fameux, le masterpiece de Jussu Shingo, un de ses plus gros succès de sa carrière, donc de Umes, c'est Jussu Shingo. Désolé, je fais des phrases aléatoires en ce moment. La fatigue se fait ressentir. Donc j'essaye de faire au mieux que ce soit audible. Désolé si je parle un peu n'importe comment. Alors, je suis Shingo. On n'est pas dans l'horreur. Il y a des pointes d'horreur. On est dans de la SF. Parce qu'en fait, Umes fait de la SF. Et j'ai eu le même problème que toi tout à l'heure, Bibi. C'est-à-dire que quand j'ai lu Je suis Shingo, je suis resté sur ma faim. J'ai été déçu. Alors qu'en fait, Je suis Shingo, c'est vraiment excellent. Sur plein de points. Mais. La façon de pas savoir où il m'amène, il a une façon très répétitive, narrativement et visuellement, c'est très répétitif dans l'enchaînement des cases. Il y a très peu d'horreur, alors que moi je m'attendais à avoir beaucoup d'horreur pour pouvoir profiter de, comment ça s'appelle, de, enfin, d'avoir une nouvelle histoire d'horreur, fait que du coup quand je l'ai lu, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché alors qu'en fait, il y a un univers visuel qui est incroyable dans Jussu Shingo. Et surtout, ça reprend les débuts de l'intelligence artificielle, en fait. Et de la robotisation, de l'industrialisation comment dire, du travail, de l'industrie, etc. Avec justement les robots qui remplacent les humains, etc., etc. Et surtout, voilà, le petit garçon qui pense avoir un super robot comme il l'imagine à la télé. Les Goldorak et compagnie, et il se rend compte, il va chez son père, et en fait, c'est ton robot, c'est un bras, quoi, le robot. Voilà, on le voit là, je crois. Voilà. Je crois qu'on le voit là. En fait, c'est un bras, le robot. On voit mal parce que là, c'est une page double. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a tout un imaginaire voilà, informatique, genre, il communique avec lui, voilà, tout en pixels, et c'est ça qui est génial, en fait. Parce que ce robot va. Avoir une conscience et cette conscience-là de voir où ça amène derrière et ses enfants et ses deux enfants qui vont prendre ce robot pour leur enfant en fait. Alors regardez ces planches-là comme ça, c'est juste superbe. Donc Jussu Shingo en fait c'est vraiment excellent. Et regardez ces planches.
C'est vraiment excellent, mais c'est de la SF. Et il faut bien se mettre en tête que c'est de la SF et vous n'aurez pas d'horreur, même s'il y a des petites pointes dedans. Et je pense que du coup, il faut pas le lire avec des attentes. Et moi, je l'ai lu avec une attente, et c'était pas l'attente qu'on m'a donnée, et du coup, je suis resté à côté. Et c'est fortement dommage. Donc voilà, je suis Shingo, moi je vous conseille de le lire. Par contre, c'est 6 gros pavés de 400 pages, je crois. Donc c'est quand même une série très longue. Et si vous avez écouté notre podcast Bunko, on a fait une news sur le retour du Mez qui fait la suite de Je suis Shingo sous forme d'illustration. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter puisque on explique en détail ce projet qu'il a refait puisque Je suis Shingo a gagné en 2017 ou 2018 le prix du patrimoine à Angoulême et ça l'a motivé à faire une suite. Et j'aimerais bien que cette suite arrive en France. Voilà. Donc pas plus sur Je suis Shingo. En tout cas, ça joue vraiment sur cette vision de l'informatique moderne de l'époque des années 80. Et ça donne des planches qui sont mais juste géniales, quoi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dessus. Je crois que je regarde, mais on a parlé de tous les Humez. Et tout à l'heure, je voyais, c'est quoi ton classement préféré? Je pense que c'est Baptism en premier. Il doit y avoir, je pense, l'école emportée. Après, j'aime bien les one-shot. Je mettrai Orochi ensuite après ces one-shot. Et je mettrai Je suis Shingo en dernier. Mais en fait, Je suis Shingo, il faut que je le relise pour le reclasser. Donc, c'est pas qu'il est en dernier parce qu'il n'est pas bien, mais plutôt parce que je suis passé à côté et que je ne sais pas le classer aujourd'hui. Donc voilà, ça serait mon classement rapide, hein, comme ça, sans réfléchir, fait en 3 secondes, hein, de Humez. Je crois qu'on a tout fait de Humez. Est-ce que vous avez des questions sur Humez ou est-ce que tout est bon et je propose de passer à la suite, à l'étagère au-dessus encore? Parce que là, on va attaquer des gros auteurs. J'en profite en attendant que vous répondez. Il me manque aussi dans Junji Ito le mort amoureux que j'ai en version anglaise parce que je le vois sur ma vidéo et je l'ai prêté aussi. Alors j'ai tout noté, mais de tête, je ne me rappelle pas de tout. Donc le mort amoureux. Alors dites-moi si c'est bon pour Humez et je vais commencer à les ranger. Ou si vous avez des questions sur un titre ou autre. Et ah bon, tant pis, je rangerai plus tard. Alors, là on a ça, et on a ça. Hop, et on a ça. Je vois qu'il y a un gros décalage là, je vois que vous n'avez pas encore répondu. Allez. Hop là, désolé, c'était un petit peu long. Alors, avant d'attaquer le gros auteur, il y avait une petite série. D'habitude, il est dans la Mangatech numéro 7, mais je l'ai re-rangé. Et comme je ne sais pas si on avait parlé avant, je vais en profiter d'en parler maintenant, comme ça c'est fait, et on est sûr de ne pas l'oublier pour plus tard. C'est Tetsuya Shiba, Journal d'une vie tranquille. Qui l'a lu celui-ci? Qui l'a lu? Dites-moi. Moins que le chat soit bloqué, non? Alors, je continue. Pour l'instant, là, je ne reçois plus de messages. Hein, donc, du coup, juste pour être sûr. Hop là. Il ne fallait pas que vous m'écriviez et que je ne reçois rien. Ah, super. Super. Là, je reçois.
Donc il y a un gros décalage, je pense, ce soir, plus que d'habitude. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai pas vos messages de suite. C'est plus compliqué du coup pour interagir. Alors, Journal d'une vie tranquille, Tetsuya Shiba, un auteur hyper connu au Japon, donc le dessinateur d'Ashita no Joe, pour ceux qui n'ont pas lu. Journal d'une vie tranquille, en fait, ça reprend ses histoires parce aujourd'hui, il a 80 ans passé. Et en fait, il a dessiné énormément de mangas. Et on lui demande en fait de faire des petites histoires de 4 pages en couleur. Oui, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres lives, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop insister. Mais j'en profite là pour ceux qui n'ont pas vu les anciens lives. Et donc du coup, il va raconter un petit peu son histoire. Mais son histoire, à la fois quand il était en Mandchourie, qu'il a dû fuir la Mandchourie pour venir ici, mais aussi des anecdotes avec ses rencontres avec des mangakas, genre Mizuki, Saito, il y a plein d'autres personnes à table. Et c'est des histoires qui sont juste mais géniales à lire, hyper touchantes, à la fois quand c'est un petit vieux, à la fois quand il est gamin. Et il va raconter aussi en même temps son parcours de mangaka, comment il a commencé à être mangaka, etc. Ou des anecdotes du quotidien. Et à lire, franchement, c'est juste génial. Donc si vous n'avez jamais lu le journal d'une vie tranquille, mais sautez dessus, parce que c'est excellent. Pour l'instant, il n'y a que 4 numéros. Et ça se rattrape vite. Et c'est pas quelque chose, il y en aura un par an, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui va vous ruiner. Et de découvrir son parcours, découvrir les galères qu'il a eues quand il était petit. Et comment il a réussi à se relever alors que c'était un petit gamin tout frêle qui a fui la guerre, etc. On le voit avec sa famille là. Des fois, ça fait relativiser un petit peu sur ses problèmes au jour le jour. Et en plus, il y a énormément de références à des vieux mangas, genre Tontankuro, je l'ai moi en manga celui-ci là-haut. Norakuro aussi, enfin, c'est. Et c'est pour moi, des fois, je m'en suis servi pour des recherches. Quand j'ai fait mes vidéos sur les samouraïs, j'ai regardé justement tous les livres qu'ils lisaient à l'époque et pour confirmer, voir quel titre revenait régulièrement, par exemple. Donc voilà, je vais pas insister plus là-dessus. Oh, ces spams là, c'est incroyable. Je vais pas insister plus là-dessus, mais c'est vraiment pour moi un des coups de cœur que j'ai pu avoir en achetant un manga récemment. Journal d'une vie tranquille, juste génial. Donc, et j'en ai déjà parlé dans d'anciens lives. Donc vous pouvez y aller. Les couvertures sont super choupies. Et c'est tout en couleur en plus. Donc voilà, donc TFDS, lui, a fortement aimé le premier volume. Mais continue. Après. Je pense que tardez pas trop parce que je sais pas si Vega Dupuis va vraiment garder ce manga à terme. C'est pas des grosses ventes, hein, ce truc-là. Alors on va parler d'un auteur maintenant, parce que je vais vous montrer un petit peu la bibliothèque suivante. Puisqu'il y a toujours mon truc qui est ouvert. Alors on est là. Voilà. La bibliothèque tout en haut. Alors là, on est haut hein, dans la bibliothèque. Hein. On est vraiment tout en haut. Je pense, on n'aura pas le temps de voir tout ça aujourd'hui. Clairement pas. Parce que là, il reste une demi-heure. Mais c'est pas grave. On va commencer à parler de ça. Et on continuera la prochaine fois. Donc, on va parler du coup de Mizuki. Qui a lu du Mizuki. J'ai fait un live sur Angoulême de 3 heures qui revient sur la dernière exposition de Mizuki et plein d'autres choses auxquelles j'ai déjà pu vous montrer mon amour pour cet auteur. Hein, je pense que vous l'avez compris, j'adore Mizuki. J'ai en tout cas tout ce qui est sorti en français et en anglais, puisque de toute façon il n'y a pas 1000 choses en anglais. Donc c'est ce dont on va parler ce soir. Mizuki. On va commencer par ses séries. Alors là, quand je vous les présente, c'est pas dans l'ordre que je préfère ou pas. Hein.
C'est que je vous les présente tel que ça vient. Hein. Donc voilà, ne soyez pas surpris. Hop là. Attends, je regarde. Salut, salut le manga. Eh ben écoute, merci, bienvenue à toi, manga critique. Toi, tu as tout aussi, Arnaud, même en anglais. Ok, c'est cool quoi. Donc c'est très bien. Je les découvre chez toi, je vais pas tarder à faire une grosse commande. Et tu as le tome 1 de Kitaro à lire. Ben on va en parler justement de Kitaro. On va le faire. Un peu Kitaro. Ok. Je rappelle que je le glisse. Si vous commandez vos mangas en ligne et que vous êtes en France, vous pouvez passer par les liens affiliés qui sont dans ma description. Vous ne payez rien de plus, mais au moment de votre commande, moi j'ai une petite rétribution de ce côté-là. Ça aide la chaîne. Vous, ça vous coûte rien en plus et les livres passent par une librairie indépendante. Donc vous soutenez la chaîne du livre en même temps. Donc voilà, si vous avez votre libraire, allez à votre libraire, il n'y a pas de souci. Mais si vous commandez sur Amazon ou la Fnac ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça passe par Bédéfuge et ben, ça soutient la chaîne et c'est un petit geste pour qui vous coûte rien et qui, moi derrière, ben, m'aide à acheter du matériel ou des choses comme ça. Donc voilà. Alors, parlons maintenant de Mizuki. On va commencer par l'étagère d'en bas. On va commencer justement ben, par Kitaro. Hein, à y être. Kitaro, Kitaro, Kitaro. Alors, Mizuki, comme c'est chez Cornelius, tout est chez Cornelius quasiment. Ce sont des livres qui sont très fragiles au niveau des poissons d'argent. Donc, tout est sous plastique. Donc, je vais devoir tout déballer. Kitaro. Hop, Kitaro, Kitaro, Kitaro. Alors, Kitaro, il faut savoir que c'est le plus gros succès de Shigeru Mizuki. Donc, alors, on va peut-être. Quoi qu'attendez, attendez, on va peut-être pas commencer par Kitaro. Je vous fais du. On va commencer par l'œuvre avec qui j'ai découvert Mizuki. Comme ça, je vais vous parler un peu plus de ma découverte de Mizuki. Même si je crois que j'en ai parlé déjà dans le live d'Angoulême, ça sera l'occasion de revenir dessus. Voilà, on adapte le programme hein, selon l'envie. Hein. D'accord, donc toi Mathieu, tu en as acheté beaucoup, mais tu n'as pas encore. Mais tu as. Ah, pas mal de ces titres, ok. Mais tu ne les as pas encore lus. Voici le premier livre que j'ai lu de Mizuki. À l'époque où j'ai acheté ça, il y avait le beau macaron dessus qui disait Grand Prix du Festival d'Angoulême. Il faut savoir que Nonamba, je crois que c'était en 2007. Et le premier manga officiellement récompensé à Angoulême par le Grand Prix d'Angoulême, le prix d'honneur. Donc ça, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment une étape hyper importante pour le festival, mais aussi pour le manga, qui montre que ben, le manga a toute sa place dans la bande dessinée chez nous. Donc ça, c'est hyper important. Et donc moi, j'ai vu ce petit macaron. Je crois que le bouquin était d'occasion parce que de base, il vaut genre 30 balles, un truc comme ça. Et j'ai la vieille édition. Maintenant, il y a les belles éditions hardcover. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, allez, tente, c'est d'occasion, il devait être à moitié prix, j'y allais, tente, on ne sait jamais. Donc je l'ai acheté plus par opportunisme, parce que c'était pas très cher, et on y va. Et quand j'ai commencé à lire Nonamba, j'ai... écoute, Mathieu, ça me fait plaisir que tu achètes, tu découvres. Quand j'ai découvert Nonamba, j'ai commencé à lire et je me suis pris une claque. Parce qu'en fait, quand on regarde en premier, Mizuki, ses dessins, ses personnages font très cartoon. Ils sont dessinés un peu à la va-vite. Et les décors sont très réalistes. On a beaucoup de détails dans les décors, mais les personnages sont un peu grossiers, entre guillemets. Alors qu'en fait, ces personnages, ils ont une palette d'expressions qui sont incroyable. Merci Jocelyn. Bonne soirée à toi. Il reste une petite demi-heure, de toute façon, au pire, il y aura le replay. Et donc du coup, il y a une. Comment dire, il y a une. Quelque chose qui en ressort de ces dessins très simplistes et de ces décors qui sont ultra détaillés, avec ces personnages qui sont ultra expressifs. Et en fait, on comprend parfaitement les intentions des personnages, leurs sentiments, et je ne m'attendais pas à ça.
ce côté cartoon qui fonctionne autant en fait. Et ça, c'est la magie de Mizuki, c'est que en plus de savoir raconter une histoire et de nous happer dedans, eh ben voilà, il va réussir à transmettre ses émotions à travers ses personnages. Et dans Nonomba, ben, c'est Mizuki petit, en fait, qui lui apprend l'existence des yokai, donc les fantômes japonais, les esprits japonais, et qui lui dit, ben non, ben, regarde, là, c'est il faut que tu le laisses passer et que tu lui dis après vous, Beto Beto-san, et il disparaît. Et c'est comme ça, en fait, qu'il découvre l'univers des yokai, et c'est comme ça qu'il va être initié à ça. Et c'est hyper touchant parce que bah, il raconte sa vie. Alors, des fois, il rencontre des petites filles qui vont mourir juste après de maladies, des choses comme ça. Et c'est hyper touchant, en fait, ce manga. Donc, c'est à la fois romancé, à la fois biographique, mais c'est juste passionnant à lire. Et souvent, ça part aussi dans des délires. Alors là, par exemple, on a voilà, d'autres yokai. J'essaie de voir les. Voilà, dans d'autres pays, dans le monde des esprits. Voilà. Et en plus, il y a un peu le quotidien des gamins de l'époque où ils jouaient à la guerre et ils se faisaient mal, les gamins. Hein. Ils ne faisaient pas semblant de jouer à la guerre. Hein. Donc c'était vraiment les grosses, grosses disputes, quoi. Voilà, il y en a un qui a été lynché totalement. Donc ça, coup de cœur absolu, non en bas. Et du coup, je peux que vous recommander de découvrir Mizuki avec Nonamba par exemple. Ou alors avec Vie de Mizuki, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, je vais revenir sur Kitaro, sur les petits formats, on parlera des grands formats juste après. Donc Nonamba, voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur quand je l'ai lu. Ça reste un de mes mangas préférés de l'auteur. Et une très très bonne porte d'entrée pour découvrir son style, son humour, très pipi caca, hein, bien sûr. Mais son humour et l'ambiance qui s'en dégage dans Nonamba. Les dessins de Urasawa sont décriés, bah pourtant ils sont très beaux les dessins du Urasawa. Parce que ils sont très détaillés, donc je ne sais pas qui les décrit, mais je crois qu'il faut qu'ils mettent des lunettes. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui il y a des belles éditions hardcover. Donc ceux qui aiment les belles éditions, vous allez vous régaler. Moi j'ai l'ancienne, j'ai gardé l'ancienne. Mais voilà, donc. Voilà, moi, en tout cas, j'adore les dessins de Mizuki. J'adore ce côté, ces décors ultra réalistes avec cette ambiance, ces personnages très cartoon. Hop là. Voici pour Nonamba. Hop là. Allez, on ira le ranger après. Et donc, du coup. On va pouvoir passer à Kitaro. Qui a déjà lu du Kitaro du coup là? Parce que Kitaro, donc c'est le plus gros succès. Il faut savoir que Kitaro a connu pas mal de versions. Et au début, Kitaro a même a commencé en Kamishibai. Hein, donc les théâtres de je sais pas qu'on peut dire, les théâtres de papier japonais avant les mangas, le Kimishibai. Et donc ce Kamishibai, il y avait déjà les prémices de Kitaro. Et donc du coup. Ah salut, Waiting Machine. Alors, le meilleur manga de yokai, je ne sais pas, parce que je n'ai pas tout lu. Et puis, il y en a beaucoup, donc je pourrais pas te répondre. Et justement, on va parler de Kitaro, que tu n'as pas beaucoup aimé. C'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Qui a aimé, enfin, qui de ceux qui l'ont lu, qui a aimé Kitaro, justement? Donc, Kitaro, il faut savoir qu'au début, le début est assez noir. La naissance de Kitaro est assez noire. Et d'ailleurs, Kitaro, voilà, on a la momie, on a son père qui va se transformer en œil. Et du coup, après, voilà, il va loger dans son œil ici. Alors là, le Kitaro, il est assez ancien en design. Après, il va s'arrondir avec le temps. Donc ça, c'est pas Kitaro, hein. Il va s'arrondir avec le temps. Voilà, on le voit déjà beaucoup plus rond ici. Et en fait, Kitaro, c'est un mi-yokai, mi-humain de mémoire. Et qui aide les humains comment dire, à calmer les méchants yokai. Et au début, de Kitaro, ce sont des histoires assez longues, qui sont des fois un peu méchantes, mais qui sont plutôt sympas à lire. Les deux, trois premiers volumes sont très cool à lire. Donc si vous voulez découvrir Kitaro, achetez les trois premiers, vous aurez un bon aperçu de Kitaro. Parce qu'il y en a 11 aujourd'hui, et je trouve qu'à partir du 4,
ça change en fait. C'est-à-dire que on est sur des histoires un peu le monstre de la semaine, et on a des petites histoires d'une vingtaine de pages qui manquent d'enjeu, qui manquent d'intérêt, je trouve, de manière générale. Et on les lit et on trouve que, ben, enfin moi je trouve que l'histoire elle est un peu légère. Un peu légère, alors que dans les premiers volumes, vraiment, il prend le temps de développer son histoire, son scénario, développer plus de choses. Alors, c'est pas des histoires qui volent très haut, hein. Kitaro, il est cheaté en permanence, il a des pouvoirs à gogo, il est, comment dire, hop là, je pose ça là, je range après. Il a des pouvoirs à gogo, à chaque fois, il a un nouveau pouvoir, on ne sait pas d'où il le sort, mais ça, c'est pas grave, c'est partie du jeu. C'est un yokai en même temps, il fait ce qu'il veut. Et du coup, le. Hop là, voilà. Moi j'aime beaucoup cette couverture. Et donc du coup, je trouve qu'après, ça perd un peu plus d'intérêt que. Moi, je suis au cinquième, là, je les relis. Je m'éclate un peu moins à les lire. C'est-à-dire que je les lis, mais je lis un chapitre et je m'arrête. J'ai pas un besoin de lire plus. Alors que le début, je prenais plaisir à lire 2-3 chapitres d'affilée. Non, mais je peux comprendre, moi, t'imagines que le. Que l'histoire t'est pas captivé plus que ça, parce que moi le premier qui adore Mizuki, j'aime bien le début de Kitaro, mais assez rapidement je trouve que ça tourne un peu en rond derrière. Et typiquement, avec le recul, on aurait eu une anthologie de Kitaro avec les meilleures histoires en 3-4 volumes, je pense que ça aurait suffi, il n'aurait pas eu un besoin de sortir la quasi-intégrale, puisque c'est pas une intégrale qu'il y a chez Cornelius, mais presque. Donc voilà, donc c'est normal. Alors tic-tac, je ne sais pas ce que tu as voulu écrire. Voilà. Mais pas de souci, merci Amanda. De toute façon, il reste une petite demi-heure. C'est cool que tu aies pu rester si longtemps. Et bien tic-tac, écoute, c'est pas un souci, tu auras le replay, de toute façon. Ne t'inquiète pas. Donc voilà, donc là après on a des grands monstres, des choses comme ça. De manière générale, ça reste cool quand même. Je veux dire, on découvre plein de monstres, on découvre les univers, etc. Mais là, par exemple, c'est une histoire. Hop. Voilà, ce sont des histoires. Alors, pas celle-là, mais ça, c'est une histoire qui dure 100 pages, par exemple. C'est des histoires qui durent 40 pages. C'est quand même plus sympa. Après, ça dure 20 pages, le format hebdomadaire, et puis c'est fini, quoi. Donc voilà, donc Kitaro, moi, j'ai pas mille choses à dire. Je peux pas dire que c'est le manga qui m'éclate en lisant. J'aime beaucoup aimer le début. Là, aujourd'hui, je les ai, je les garde. Mais il y aurait une anthologie, ça m'aurait suffi. Donc. C'est pour ça que je ne conseillerais pas Kitaro en premier à découvrir. Je sais qu'il y a des grands fans de Kitaro, moi j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'univers, mais je me serais passé de tout avoir. Une anthologie aussi. Et dans Kitaro, il y a aussi. Alors il y a les aventures de Kitaro, mais ben, j'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler. J'attends que le volume 2 sorte. Par contre, dans Kitaro, il y a aussi Micmac aux Enfers. Et Micmac aux Enfers, c'est un énorme pavé qui est sorti. C'est d'ailleurs surprenant que Cornelius ne l'ait pas sorti en 2 volumes. Et Micmac de l'Enfer, wow, il est là. C'est une histoire au Kitaro. Écoute avec plaisir, tic-tac, profites-en. C'est une histoire avec Kitaro où, là, le Kitaro, il y a un Kitaro qui est méchant, qui fume, qui est un peu. Qui est différent du Kitaro que l'on connaît. Et honnêtement, Micmac aux Enfers, moi je l'ai lu 2 fois, et les 2 fois je ne l'ai pas aimé. Et il faut savoir que c'est la première fois que j'ai lu Kitaro, c'était avec celui-ci. Et je trouve que dans Micmac aux Enfers, alors il se passe plein de trucs et compagnie, mais j'ai l'impression que l'auteur ne sait pas vraiment où il va à chaque fois. Il ne sait pas où il va, il résout les problèmes en 2 trucs. Je ne sais pas ceux qui l'ont lu là, dites-moi vos retours sur Micmac aux Enfers. Et je trouve que ça part dans tous les sens à chaque fois. Ça, comme je dis, dès qu'il y a un problème, le problème est résolu en 3 secondes, on passe à autre chose et puis vite, suite de l'histoire avant qu'on perde trop de spectateurs, enfin trop de lecteurs. Et je l'ai lu 2 fois et 2 fois, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché, j'étais pas dedans. Donc je pense que Kitaro en soi, j'aime beaucoup l'univers et les personnages, mais je suis pas un fanat de Kitaro, quoi. Donc pourtant, ça m'a pas empêché d'acheter des t-shirts et tout parce que c'est cool d'avoir ça. Mais ouais, on m'aurait fait une belle anthologie, ça aurait été cool, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas pour autant que c'est pas bien, mais je pense que je suis pas assez fan de Kitaro, j'ai pas assez accroché. En tout cas, voilà, il est assez brouillon, je trouve, Micmac aux Enfers. Alors que les autres Kitaro, ils sont pas brouillons, mais
ça joue un peu dans la facilité au niveau des histoires. Voilà, on sent que des fois, c'est en mode, ouais, bon, allez, je vais conclure comme ça sera plus simple. Voilà, ou alors il savait pas trop comment conclure ses histoires et c'est comme ça qu'il a fait. Voilà, donc je rappelle, les voyages de Kitaro, qui est là, je sais même pas s'il est ouvert. Hop là, il est là. Il y a deux volumes. Et je pense que c'est une sorte de pareil de spin-off, je sais pas trop. Et je ne l'ai pas lu, donc quand je le lirai, j'en parlerai dans un live. Plus en détail. Mais je pense que voilà, c'est une petite histoire annexe de Kitaro qu'il a dû très certainement faire dans un autre magazine et qui a été regroupée ici. Ça sent le neuf, hein. Je vous le dis. Hop là, et voilà. Alors, le titre suivant, un titre que j'aime beaucoup chez Mizuki, c'est lequel celui-là? C'est le 1 ou le 2? Je crois que c'est le 1, ça. Pas grave. Je vous fais du teasing chaque fois, je vous fais attendre. C'est 3 rues des mystères. Alors là, on est vraiment sur du fantastique, avec une petite couche yokai, parce qu'il ne fait pas que du yokai, il y a aussi du fantastique, et des récits de guerre derrière. Donc, 3 rues des mystères, ce sont des histoires courtes. Moi, j'aime beaucoup, c'est en deux livres. Voilà, le petit 2 était là, je ne le voyais pas. Et ça, ce sont. Moi, je vous le conseille, celui-ci. Ce sont des histoires fantastiques, très courtes et très très sympas. Genre là, un petit garçon voilà, il a une sorte de portail, il va dans un autre monde, à rencontrer des plantes, etc. Et il y a un petit truc avec sa sœur, il y a un truc fantastique avec sa sœur pour la sauver, enfin il y a un truc comme ça, quoi. Pareil, là, des histoires de yokai cette fois, ou de fantômes avec une tête qui vole et tout. Franchement, c'est super cool à lire celui-ci. Et je préfère le Mizuki qui raconte ces histoires-là que le. Comment dire que des fois, ben, l'histoire de Kitaro tout court, quoi. Tout à fait, ouais. Phoenix revient bientôt. Et j'en parlerai bientôt dans un live de Phoenix, parce que je suis en train de me les relire. Donc je vous montre un petit peu les images. Voilà, on a des super planches à ce bateau avec les coutons volants là, les esprits là qui sont là. Donc voilà, donc ça, j'essaie de me rappeler un peu des histoires. À un moment, je me rappelle une histoire dans un ascenseur avec un étage qui n'existe pas et la personne se retrouve là-dedans. Un étage qui est entre le. Je pense que c'est le volume suivant, qui est justement entre le monde des esprits et le monde de l'au-delà. Enfin, le monde de sur Terre et le monde de l'au-delà. C'est une histoire qui est très cool aussi. C'est bon, je vous montre le 2. Voilà. Donc, 3 rues des mystères. Donc, ça continue. Ah, avec les fantômes, des squelettes et tout. Alors moi j'aime beaucoup l'ambiance, hein, vous voyez, une ambiance très particulière dans ces mangas. Avec beaucoup de squelettes. Ah oui, ça c'est une histoire très connue. Les mini-civilisations. J'essaie de me rappeler un petit peu, hein, de ce qu'il y a dedans. En plus je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai plus le détail des histoires. Je l'ai relu l'année dernière celui-là. Mais j'en ai parlé, j'avais fait une critique dessus. Hein. Tous les Mizuki, j'ai fait quasiment une critique dessus. Là, on voit les personnages du palais de la mer, là. Ils se dessèchent à force de faire des partout. Donc voilà, donc ça, moi, je vous le recommande de le lire absolument. C'était une très très bonne découverte, très bonne surprise de Mizuki. Et ça change un petit peu justement de ces gros succès de yokai et tout ça. Donc voilà, je vous les remets. Chez Cornelius aussi. Ils sont pas hyper chers, je crois. Je crois qu'ils sont à 15 euros. Ou à 12 euros, je sais plus.
Et il y a des grandes chances que ce soit encore dispo, je pense. Après, on va parler de deux titres qui sont sortis uniquement en anglais. Il y a celui-ci. Et d'ailleurs, pareil, j'en ai fait une critique, hein. De toute façon, je crois que j'ai tout critiqué à part Kitaro. Quasiment. Qui est Tono Monogatari. Alors, c'est en anglais. C'est un inédit. Et il faut savoir qu'à la base, les yokai, il y avait un chercheur qui avait commencé comment dire, à montrer. C'est lui là. Voilà, c'est Kizen Sasaki qui avait commencé à raconter justement les histoires orales, ces histoires orales qui étaient racontées de fantômes pour les documenter. Et Mizuki se resserre de ces éléments-là, et d'ailleurs, on voit des numéros, et c'est les numéros des histoires qui reprend. Et là, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a. Des fois, un peu des délires des paysans qui, dès qu'ils entendent le bruit, ils ont peur et ils pensent que c'est un fantôme. Des fois, il y a des vrais phénomènes paranormaux qui sont dessinés et racontés. Et Mizuki, il a essayé de romancer tout ça dans des petits chapitres qui regroupent ces histoires-là pour que ça fasse plus fluide. Et il y a des fois, c'est juste comment dire, une légende où il met un truc, dans le sens, c'est une case, et il passe à la suite. Tout simplement. Donc c'est franchement c'est pas mal à lire, c'est sympa. Ça serait bien que ça sorte en français. En tout cas, moi je me suis bien régalé à lire ça, même si c'est pas mon Mizuki préféré en termes de yokai. Mais là on est dans les yokai purs et durs. Et des fois il intervient, on le voit, il se dessine. On l'a vu juste avant là. Voilà, ça c'est lui. Hein. Il se dessine. Donc Tono Monogatari. Je passe un peu vite après parce que j'ai pas plus à dire. Et là, c'est histoire de vous présenter le livre. Hein. Je ne peux pas passer un quart d'heure par livre, hein, sinon on verra jamais la fin de mon Mangatech. Mais s'il y a un livre auquel vous souhaitez plus d'informations, ben, vous me le dites et vous me posez la question et je vous réponds. Un autre livre en anglais, avant de reprendre ceux en français, c'est celui-ci. Il y en a quatre comme ça. C'est quatre énormes blocs. Ah, ils sont beaux, oui. Les décors à chaque fois, ils sont très beaux. Alors, Showa, c'est un truc qui n'arrivera pas en France, hein, parce que c'est trop spécifique. Cornelius a déjà dit que ça ne l'intéressait pas de l'éditer. Et en plus, effectivement, il y a des planches qui reprennent dans divers mangas. Donc, ça baisse un petit peu l'intérêt de Showa de manière générale. Moi, j'ai été acheté en anglais. Du coup. Il reprend l'histoire, donc il y a quatre volumes. Hein. On voit les années qui se chevauchent pour arriver donc toute l'ère Showa, 1926 à 1989. Et en fait, Mizuki, bon, ben, il a vécu la guerre. Il a été traumatisé par la guerre. Et alors, je ne sais pas comment il est arrivé à faire Showa. Je pense que c'est une proposition qu'on lui a donnée. Mais en tout cas, c'est un historien, Mizuki. Et je pense qu'il a voulu vraiment se poser une question de comment on peut arriver un pays qui. Enfin, que lui il était enfant, comment on peut arriver à se retrouver sur le champ de bataille à défier la mort tous les jours. Et il reprend en fait toute l'histoire de Showa, de l'ère Showa, du Japon, mais sous deux prismes. Un côté au niveau du pays, et enfin un côté mondial, qu'est-ce qui se passe au Japon, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, et le côté du peuple, où là cette fois il va raconter un petit peu la vie de sa famille, lui sur place, on retrouve Nomamba par exemple ici. Lui sur place, etc. Et d'avoir justement ces deux visions qui vont s'opposer entre ben, des dirigeants qui font ben, c'est la guerre, c'est cool, et les habitants enfin, qui sont là en train de dire non, on ne veut pas faire la guerre et on veut pas crever, quoi. Donc au bout d'un moment, calmez-vous. Et de toute façon, vous connaissez l'histoire et ce qui s'est passé. Mais ça reprend justement toutes les étapes de ce qui s'est passé à Showa. C'est à la fois super intéressant à lire d'un point de vue historique, et notamment surtout la partie ben, de sa famille et tout, c'est surtout ça qui est intéressant, parce que c'est un peu trop documenté même. C'est-à-dire qu'il y a énormément de noms, de références, de personnes citées que l'on ne connaît pas, et ça rend même presque un peu indigeste le truc. C'est-à-dire que toute la partie... Où ils expliquent, alors lui c'est le premier ministre de machin, là il y a eu ça, là il y a eu ça, puis alors là il y a eu l'attaque de ça, il y a eu ça. Waouh! Alors déjà en français c'est beaucoup d'infos.
En anglais, ça rajoute une couche de complexité, de compréhension qui est un peu encore plus difficile. Je vais vous montrer le volume 4. Alors, je ne vous spoil pas, puisque c'est l'histoire du monde, hein. L'histoire du Japon. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les années 70, à un moment, il y a la crise du pétrole. Et du coup, tout le monde se jette sur les rouleaux de PQ aussi. Donc, c'est bien, se jeter sur les rouleaux de PQ, c'est à la fois universel. Dès qu'il y a une crise, c'est ça, quoi. Donc j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu cette scène. Voilà, donc là on voit Mizuki là qui essaie de s'en sortir avec l'invasion de Disney, les trucs comme ça. Et vous voyez, donc on a vraiment, c'est super intéressant historiquement de lire Showa. Donc ceux qui savent bien lire anglais et qui ont envie de découvrir ce côté historique, vous pouvez vous lancer là-dedans. Et ça, c'est une des facettes de Mizuki, c'est le côté historique. Voilà. Et d'ailleurs, on voit Tsuge par exemple, son assistant, parce qu'après, il va raconter sa vie, puisque il bossait, quoi. Donc c'est un très bon livre pour connaître encore plus Mizuki, sa vie, son parcours, tout en découvrant l'histoire du Japon en détail. Et à la fin, il y a beaucoup d'illustrations de couleurs. Et par contre, c'est très verbeux, hein, ça parle beaucoup. Soyez prévenus. Voici pour Showa. Allez, on continue? Alors, c'est quelle heure? Je vous propose de finir Mizuki ce soir. Et on attaquera la fin de la bibliothèque la prochaine fois. C'est fou comme je suis. Hop là, voilà. Je pense que je n'avais pas bloqué avant. Voilà. Hop. Il y a du lourd avec cela. Elle est très lourde. Voilà, comme ça après ça conclura Mizuki. Alors, un autre manga que j'aimerais vous faire découvrir de Mizuki que j'adore, c'est celui-ci. Qui l'a lu celui-ci? Mon copain le Kappa. Dites-moi, qui l'a lu? Donc mon copain le Kappa, là on est encore à nouveau dans les yokai, et c'est un manga qui est très drôle. Moi je vous le conseille, alors c'est un humour pipi caca, hein, comme il aime faire, mais c'est un manga qui est très drôle, et qui... hop là. Et en fait c'est l'histoire de Sanpei, un humain un peu basique, hein, qui ressemble beaucoup à un kappa, et un kappa qui va venir en fait le rencontrer. C'est exactement ça, c'est con et drôle, c'est exactement ça, Arnaud. Et il va lui arriver plein d'aventures à la con avec ce kappa, et il va se retrouver à devoir, dans le volume 2, exorciser, enfin il y a une prophétie, c'est lui bien sûr qui va se retrouver au milieu de tout ça. Au passage, en fait, il y a un concours de natation et les kappas, ils ont trois anus avec des turbopés pour aller super vite. Donc ça, c'est hyper drôle, parce que c'est des blagues de prout, très bas niveau, mais très drôle, très con. Et bien sûr, voilà, il va essayer de gagner. Ou alors, il va avoir pas des compagnons, mais enfin, des personnes qui vont être des compagnons après, genre. Ce tanuki qui va le faire chier en permanence, ou la mort qui va essayer de le tuer tout le temps. Et donc c'est très très drôle. Alors il faut savoir, en plus ça finit, c'est assez triste la façon dont ça finit, c'est très surprenant. Mais c'est excellent, c'est plein d'humour. On découvre l'univers des yokai à fond dedans. Parce qu'à un moment vraiment, ils vont dans le pays des yokai. Alors je pense que c'est dans le volume 2. Surtout qu'on va bien le voir, je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez avoir une bonne vision. On va pas bâcler, on va prendre 5 minutes de plus, hein, on est d'accord? Ça serait dommage de s'arrêter à et demi pile, on n'est pas.
Il n'y a pas la badgeuse là. Hop. Comme ça, après, on arrête Mizuki. On sait où on s'est arrêté. Voilà, donc là, on se retrouve vraiment dans le pays des yokai et tout. Et ça, voilà. Alors, on ne peut ne pas être réceptif à l'humour, hein, attention. Mais de manière générale, c'est extrêmement drôle. Voilà, donc je vous montre un peu les images, là où ils se retrouvent. C'est assez joli, hein. C'est très imaginatif. Donc mon copain le Kappa, pareil, je l'ai chroniqué déjà sur les lives. J'ai fait des critiques sur Instagram. Donc je vous pousse vers ça pour aller plus dans le détail. Là, le but, c'est que vous ayez un aperçu du livre. Mais voilà, vous savez que moi, ça fait partie de ces séries que j'ai beaucoup kiffé à lire. Je vais m'amuser à arranger tout ça. Après, on va parler d'une série qui est. On va commencer par ça. Alors là, cette fois, on va parler du gros de Mizuki. Si vous devez connaître Mizuki, vous. Ah, pardon. Vous pouvez démarrer avec ça. Ok. Ça s'appelle Vie de Mizuki. Et là, c'est une autobiographie de Mizuki. Et ça, je crois que Vie de Mizuki, c'est mon. Pas mon deuxième, mais c'est des trucs que j'ai lu assez tôt dans ma découverte de Mizuki. L'édition est superbe, hein, par contre. Et cette Vie de Mizuki, en fait, ça, c'est en trois parties et ça reprend vraiment sa vie, donc son enfance, c'est-à-dire toute sa partie, l'époque de Nonamba. Donc, Nonamba, si vous ne voulez pas tout acheter, vous pouvez acheter Vie de Mizuki, vous avez un bon aperçu de Nonamba, même si dans Nonamba, il y a beaucoup plus de choses. Ben on va en parler juste après, justement, d'Opération Mort et Vie de Mizuki. Et donc, du coup, ben là, vous avez vraiment toute la partie yokai. On va retrouver certaines planches, d'ailleurs, qu'on retrouve dans Nonamba, où on le voit grandir, etc. Et c'est passionnant. Il a une façon de raconter les histoires, Mizuki. On en demande toujours plus, quoi. Donc ça, c'est au top, voilà, les batailles et tout. Alors, ça n'est pas redondant avec Nonamba, même si on retrouve certains passages. Et Nonamba a un axe différent. Donc on voit tous les problèmes de sa famille, on le voit raconter aussi en narrateur, etc., etc. Je passe un peu vite, hein, parce que c'est tard. Donc là, on a ça, sauf qu'après, il y a l'armée, il y a la guerre. Et il va faire la guerre, Mizuki. Et donc là, à la fin du volume 1, on a la guerre, il se fait taper dessus pendant la guerre à gogo, parce que c'est une belle tête à claque, et tout le monde a envie de le gifler, d'accord? Je vais juste essayer de remettre ma super protection. Sinon, je le ferai tout à l'heure. Non, c'est bon, j'ai réussi. Hop là. Voilà, parfait. Donc, je suis obligé de mettre des protections pour les poissons d'argent, vous le savez. Alors, normalement, je n'ai plus trop là où j'habite, mais je ne prends pas le risque, je dirais. J'ai pas envie que mes livres soient bouffés. Hein. Je pense que vous pouvez le comprendre. Donc voilà. Alors, du coup, vous avez le volume 2 qui s'appelle Le Survivant. Avec cette fois. Hop. En tout cas, merci de rester aussi tard. Hein. On est toujours quasiment une trentaine. Et ça fait plaisir de voir que ça vous intéresse autant. Donc merci beaucoup. Donc voilà, là on est vraiment à la guerre et comment il survit à la mort tous les jours, les journées dans les casernes. Et on va retrouver une partie d'Opération Mort. Et je vais parler d'Opération Mort juste après. Comme ça, on va faire une petite coupure dans celui-ci. Et c'est vraiment fantastique à lire en fait, parce qu'on voit toute l'absurdité de la guerre, on voit toute l'absurdité de faire tout ça. Mais surtout, ben, c'est un vrai survivant, quoi. C'est-à-dire qu'il réchappe à plusieurs fois à la mort. Il va même jusqu'à perdre un bras pendant la guerre. On le voit là, hein, il a perdu son bras. Donc il a perdu son bras gauche, hein, il était droitier. Donc ça, c'est un mythe de dire qu'il a perdu son bras principal. Jusqu'à la fin de la guerre, et à la fin de la guerre où ben, ça y est, il est obligé de revenir au pays.
Et bien en fait, on va le rencontrer en train de galérer à essayer de survivre en fait, donc à être dans le Kamishibai, à trouver des éditeurs, puis toutes les galères qu'il a une fois qu'il commence à avoir le succès. Parce que il pensait qu'une fois avec le succès, il sera à l'abri du besoin. Ben, le problème, c'est qu'après, ben, il faut entretenir le train de vie et puis on n'est pas libre de ses actes. Après, il faut produire, on est attendu au tournant, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant à lire. Et surtout, dans ce dernier, je vais vous montrer maintenant, comme ça, c'est fait finalement. Hop. Ok. Voilà. Hop là, dans le dernier, il en reste après deux et après on arrête. Hein. Après, vous pourrez aller dormir tranquillement. Je sais pas si ça a été imprimé, mais le 3 est chaud à trouver à l'époque. Je crois qu'ils les auront imprimés, hein, à revérifier, mais je crois que ça a été réimprimé. En tout cas, c'est des belles éditions. Hein. Ça fait plaisir à acheter. Ils ne sont pas donnés, mais c'est des gros livres hein, à chaque fois. Hein. Et là, Vie de Mizuki, ça c'est passionnant pour l'histoire aussi, en plus de voir son truc. Alors, il parle pas trop des livres qu'il dessine, dans le sens où il fait pas un listing de j'ai dessiné ça à telle époque, j'ai dessiné ça à telle époque. Non, non, là, vraiment, c'est plus centré sur sa vie, son quotidien. Comment il arrive à vivre avec le succès après des mois et des mois, enfin des années de galère, sachant qu'au début du livre, il galère. Hein. Mais on va retrouver des auteurs comme Tsuge, par exemple. À un moment, on va retrouver Shirato Sanpei. On va retrouver des auteurs emblématiques comme ça. Et c'est cool, en fait, pour l'histoire du manga. Ça permet de découvrir un petit peu plus tout ça. Donc voilà, et plus des délires, ou même sa mère, etc. Ou alors quand il retourne voir les habitants de l'île, quand il était à la guerre, voilà. Merci Mathieu d'être passé, c'est super cool. Donc voilà, et puis voilà, il était un grand fan, il ramenait beaucoup d'objets de ses voyages. Et c'est quelqu'un qui est très bon, vivant, très positif dans la vie. Et c'est ce qui se ressent dans son manga en fait. Il se prend pas la tête, même si il se dessine un peu idiot et bené, mais c'était quelqu'un de très très intelligent en fait. Parce que pour savoir raconter ça. Voilà, il y a beaucoup d'humilité et beaucoup d'intelligence derrière. Voilà. Donc ça, pareil, je les ai relus l'année dernière. J'étais très content de les relire pour l'exposition Mizuki. J'étais à jour quasiment. Hop. Et donc, je reviens un peu en arrière avec Opération Mort. Tout à l'heure, tu en parlais, je ne sais plus qui. J'essaie de remonter un petit peu. Bon, au pire, tu te remanifestes. Et du coup, hop, Opération Mort. Là, c'est un peu l'équivalent du volume 2 de comment s'appelle de Mizuki, de la vie de Mizuki, mais cette fois, c'est vu différemment. Ça a été dessiné avant et ça va raconter. Pas que du point de vue de Mizuki, mais plutôt de point de vue de la troupe, le quotidien justement des troupes sur place, sur les îles, en train d'attendre la mort entre les moments de détente, les moments où ils se font toujours taper sur la gueule parce que de toute façon les dirigeants au-dessus c'est comme ça et tu la fermes et tu fais ce que je te dis. Lui en plus il fait que des bourdes sur bourdes et en fait. Ça montre des fois des morts débiles, justement l'idiotie de ce patriotisme aveugle. Ça dénonce énormément de choses. Et surtout, ça montre que d'un instant à l'autre, d'un coup, ils se font bombarder, ils doivent partir se cacher. Enfin, c'est affreux à lire, en fait, à imaginer ce qu'ils ont vécu sur place derrière. Donc, c'est un devoir de mémoire qu'il a fait, en fait. Là, il se dit. Je suis rentré de la guerre, je suis toujours en vie, je me dois de raconter ce que j'ai vécu comme un livre d'histoire, quoi. Maintenant, c'est pas un truc où il se vantait. C'est-à-dire que quand à Angoulême, il y avait la fille de Mizuki, quand les gens disaient est-ce que vous êtes pour la paix, la guerre, le machin, tout ça,
Il disait juste, lisez mes livres et vous allez voir ce que c'est la guerre. Après, faites ce que vous voulez, quoi. Et donc, c'est la première fois que je l'avais lu, parce que je l'ai lu parmi les premières œuvres. J'ai pas compris ce que j'avais lu. J'étais là, j'ai pourquoi tu racontais ça? Enfin, ça m'intéresse pas, la vie quotidienne de ces gens qui sont là. Enfin, c'est un peu machin. Et quand je suis arrivé à la fin de ce livre, ça m'a retourné le cerveau parce que justement, il explique sa démarche. Et en expliquant sa démarche, on comprend que, ben, en fait, oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et derrière, ben oui, il veut honorer ses morts inutiles, ses compagnons de guerre qu'il a connus. Et de dire ben, aux futures générations, ben, voici ce que c'est la guerre, quoi. Donc, moi, je l'ai vécu. Je vous livre un récit vrai. Et c'est pour ça qu'Opération Mort est extrêmement touchant à la lecture pour ça. En plus d'être clairement une photo hein, de la guerre, un instant T, on va dire plutôt, de cette époque maudite, quoi. Et qu'on espère bien ne pas connaître. Hein. Et il nous reste un seul livre. Un livre où je ne sais pas si je vais pouvoir trop le montrer sans me faire kicker de YouTube. Parce que ce dernier livre, ben, c'est Hitler. Alors je vais mettre ma grosse main dessus pour. Voilà. Donc c'est Hitler. Il y a une énorme croix gammée dessus. Et en fait, Hitler, c'est un livre documentaire. C'est un livre pédagogique. Mizuki étant revenu de la guerre, il a été traumatisé par ça, hein, comme des milliers de personnes, enfin des milliers, des millions de personnes. Et le truc, c'est que ben, il a voulu comprendre comment un homme, un simple homme, a réussi à déclencher une guerre au niveau mondial, à tuer des millions de personnes et à mettre l'Europe. Voir le monde à sa botte. C'est ça qui est assez incroyable en termes de parcours de vie, en disant mais enfin, comment quoi? Comment on peut en arriver là? Et donc du coup, il retrace toute la vie d'Hitler, mais de manière très neutre. Et c'est ça la force du récit de cette autobiographie. Je suis en train d'ouvrir mon paquet là parce que c'est des vieux scotch que je n'ai pas adapté pour les ouvrir. Et il y a tout un système pour ouvrir mes pochettes. Et donc, du coup, c'est super intéressant à découvrir, à lire, parce que tu apprends réellement qui il était. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. C'est-à-dire que son objectif, là, c'est comprendre et apprendre. Voilà, je dirais que c'est un peu ça, hein, son objectif. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, c'est un livre. Et même pédagogique en fait, c'est-à-dire que ça manuel d'histoire ce truc-là, c'est hyper détaillé. Et hop là, je vais juste voir si voilà, je vais montrer quelques planches en faisant attention aux planches que je choisis. Et c'est un livre en fait où il explique que d'un peintre raté et au fil de quelques mauvaises rencontres, on va dire pour nous. Et qui, avec son talent naturel d'orateur, a réussi à capter les foules, à capter une audience qui était mise à mal et humiliée par la Première Guerre mondiale. Et donc, du coup, le peuple allemand qui ben, a adhéré à son discours et qui, ben, petit à petit, a monté, même s'il a eu plusieurs tentatives d'assassinat et tout. Et ça montre, en fait, au fur et à mesure. Comment il a réussi à monter pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, je vous montre un peu les images. Et donc c'est hyper intéressant justement de comprendre les mécaniques qu'on fait ça. Et surtout se dire, lui qui a été traumatisé par ça, qui a vécu ça, qui a failli mourir à cause de ça, à cause d'hommes comme lui, ben, garde un œil qui reste objectif. Et qui n'est pas là pour juger, mais juste pour expliquer. D'ailleurs, il s'intéresse vraiment à l'homme. Il ne s'intéresse pas à ses conséquences. Les conséquences sont résumées à une page. Voilà, il a fait ça. Il y a eu des millions de morts. Point.
C'est pas le but de d'accabler, c'est pas le but de dénoncer, c'est pas le but de glorifier, mais vraiment de parler de l'homme tout court. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est un livre qu'il faudrait faire lire aux lycéens, aux collégiens, tout ce qu'on veut quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. C'est la façon la plus pédagogique qu'on peut avoir pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Voilà. Et alors je ne sais pas si on voit, et par contre, on le voit beaucoup là-dedans, il va énormément user de photographies redessinées, j'essaie de voir si j'en trouve, qui va intégrer dans son histoire pour, voilà, pour ses sourcils après. Et souvent, il utilise des photographies qui redessinent. Voilà, pas plus, je fais attention aux pages que je montre parce que j'ai pas envie de me faire... kicker mon démonétiser mon live. Vous comprenez bien. Donc, mais vous avez déjà là un bel aperçu de Hitler et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Hein, voilà. Donc ça j'ai appris énormément de choses dessus. Et ça fait flipper la façon dont ça s'est passé. Vraiment flipper, en fait. Et c'est là où on se dit, ça peut tout à fait revenir à n'importe quel moment, même de notre vivant à nous. Et repartir en couille à n'importe quel moment en fait. Hein. Donc voilà. Je regarde la truc, mais en théorie, il va nous manquer la prochaine fois du Tsuge. On va commencer du Tatsumi. On a un petit peu de Toshio Saiki, je crois. Et ensuite. On pourra attaquer la Mangatek Tezuka, puisque c'est elle qui a eu le plus de votes. Si je vais sur ma truc de capsule manga, que je regarde les posts, onglet communauté. Ah ben là, on va y aller. Parce que je partage mon écran là. Non. Onglet communauté. Toc. Voilà, j'avais fait ça. Et c'est elle qui en avait le plus. Alors c'est vrai que moi j'ai pas. On va voter. Mince, faut que je me connecte. Mais c'est la 4. Je vous montrerai les résultats sur mon compte normalement. Communauté. Ah voilà, je l'ai là. Voilà. Toc. Ça, c'est mon compte à moi. Et on voit que la Tezuka, vous avez envie qu'on parle de Tezuka. On est d'accord. Hein. Là, ça y est, quoi. Donc, on va en parler la prochaine fois. On va finir ça. On va commencer Tezuka. Alors, je suis quand même très déçu. Alors, il y a quand même, ça s'est battu. Hein. La 1 et la 6, ça s'est battu. La 1, il y a quand même des. Il y a pas mal de vieux titres. Et la 6, il y a beaucoup de Gekiga dedans. Par contre, la 3, je tiens à dire que je suis très déçu parce qu'il y a quand même du Taiyo Matsumoto, il y a du Asano, il y a du Ishinomori. Il y a du Kaneko, il y a du Saito, il y a quand même des beaux noms et elle a eu que dalle quoi. Un vote. Donc moi je dis bravo à lui, celui qui a voté, tu as bon goût. Non, en tout cas, les votes étaient serrés. C'est cool, il y a eu 28 personnes qui ont voté. Donc on va faire Tezuka. Donc ouais, j'aurais bien aimé trafiquer. Ouais, j'ai fait 28 bots en fait, 28 comptes en bots. Donc c'est ce que j'ai fait, mais on fera ça. Hop là. Et on fera ça. Et du coup, je pense qu'au début, je voulais parler peut-être des titres Tezuka Prod, mais autant commencer par les Tezuka classiques. Je pense que ça peut être très cool aussi de faire ça. Bon, en tout cas, voilà, là, on arrive à la fin de ce live. Bon, c'est un petit peu débordé comme la dernière fois. En tout cas, vous avez été nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir. On était deux fois plus nombreux que le live d'un Mangatech précédent, donc ça vous a plu. Ça me fait plaisir, moi, de vous montrer un petit peu les histoires et puis vous raconter ma découverte de ces mangas-là à cette époque-là, hein, notamment avec Mizuki, avec plein de choses comme ça, c'est plutôt cool. Et bah, du coup, on se voit normalement début de mois prochain. Pour les questions, ce qu'on fait, les news, là, les lectures achats, etc. Et sinon, on se verra pour la suite de la Mangatech
dans un mois, le deuxième mercredi du mois, pour la partie 3. Après, on sera au mois de juin. Donc, je me laisserai réfléchir si on fait une petite pause en été ou pas. Parce que là, en ce moment, j'ai un peu couru de partout. Et vous avez vu, il n'y a pas de vidéo qui est sortie sur la chaîne. Parce que j'ai écrit des scripts, mais j'ai pas eu le temps de les tourner. J'ai pas eu une minute. Donc, pour l'instant, il y a des lives. Il y a de quoi déjà bien occuper avec les lives. Mais les vidéos reviendront un petit peu plus tard. Quand j'aurai un peu plus de temps. En tout cas, voilà. Merci à tous d'être restés si tard. On se retrouve bientôt pour le prochain live. Et puis, je vous dis une bonne nuit tout le monde et je vous dis à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci à tous.